sais pas pourquoi je mets toujours ça comme musique. Si, peut-être parce qu'elles sont libres de droit. J'en sais rien. Bref, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ouais, non, je réfléchis toujours, mais non, mais moi ça va. Moi ça va. À chaque fois, des nouveaux qui sont là pour la première fois, ça fait plaisir. Salut KCT, salut Baranchi, salut Wolf, et salut aux autres, aux habitués comme Fian Solp. 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 Ouais, Fian Solps. Comme Macassetok, comme Charles 59, comme plein d'autres en fait. Comme vous tous. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce nouveau live où on va jouer à Yu-Gi-Oh! Master Duel encore! Encore, et quel plaisir, quel bonheur! Quel bonheur, quel bonheur! Et regardez, rien que parce que vous êtes là juste depuis le début, si je fais ça, si je fais ça, vous le savez, les duels IRL reviennent! Reviennent! Et ça, ce sera dès dimanche. Petite dinguerie. Petite dinguerie, petite dinguerie, petite dinguerie. Tout est quasiment prêt. Quasiment, quasiment, quasiment. Attends. En vrai, il faut. Je vais pas bouder mon plaisir quand même. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et ce sera dimanche! 16h, 16h, ouais, pourquoi je réfléchis, je sais pas. Non, c'est dimanche, 16h, sur cette chaîne, avec les copains. On prend une boîte qui s'appelle Speed Duel Box. GX. Toujours des noms compliqués. Speed Duel Box, GX, Duel Academy. Pam. Je l'ai donné dans le mille. Et la boîte, elle a la même couleur que cette chemise. Voilà. Non, ça fait plaisir de pouvoir faire ça. J'avais prévu en fait à l'époque de faire un tournoi sur cette boîte. Et je pense que si le tournoi GX vous plaît, on se fera un petit tournoi sur cette boîte. Avec les decks de Bataille Ville. 8 decks rétro. Hop là, ça c'est bangers. Ça c'est banger. Et puis on fera ça. On fera ça, j'ai dû dépoussiérer mes caméras, refaire mes scènes et tout. Mais ça fait du bien, franchement ça fait du bien. J'ai pimpé un peu mes stream decks. Non, j'avance petit à petit, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le meilleur setup. Écoute, j'espère. Salut à toi au Jamanoir. J'espère que tout ira bien. Pas de 3 fois pour opti les decks. En fait, je pars du principe qu'on est là pour du fun, on s'en fiche d'opti les decks. Ce qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir des decks opti et de savoir quel est le deck, quel est le meilleur deck. En fait... Tu pourras jamais savoir quel est le meilleur... Enfin, si, tu peux savoir quel est le meilleur deck en prenant 3000 personnes. Ils prennent chacun un deck et tu fais des statistiques. Là, les gars, on va être 4. On aura 2 decks chacun. Et on va juste se taper dessus, en fait. Et le deck qui va gagner, c'est pas forcément le meilleur. Celui qui sera bien sorti sur les matchs. Mais on s'en fiche. Jouer, c'est un prétexte pour s'amuser. Et vous divertir. Et c'est ce que je veux, en fait. Savoir que le deck est bon et tout... Qui comme invité Gigi Xari? Alors là, les gars, non. Non, ce sera mes copains de Dunkerque. Je peux pas faire venir Gigi pour un tournoi comme ça. Je peux pas faire venir Xari, mais un jour. Un jour. Hello, à quand le retour de Radio Yu-Gi-Oh! Et du format compétitif. Le format compétitif, je pense que ça arrivera avant le retour de Radio Yu-Gi-Oh! Mais j'y réfléchis toujours. Le retour de Radio Yu-Gi-Oh! Step by step. Déjà, premier point, retour des duels à la maison. Et ça, c'est cool. Donc voilà. Moi, je la prends en x3 pour les bêtes cristallines et Ojama. Et ben voilà, faites ce que vous voulez. Franchement, en plus, les cartes promo à l'intérieur, moi, c'est vraiment ce que j'adore. Ces box-là, je peux en ouvrir des milliers juste pour les cartes promo. C'est des cartes rétro qui font briller les decks de Club Yu-Gi-Oh! C'est juste 5 sur 5, quoi. Radio, c'était mon meilleur moment de la semaine, c'est vrai. En vrai, ça fait plaisir ce que vous dites. Ça fait plaisir. Peut-être un jour. Mais franchement, Radio Yu-Gi-Oh, ça reviendra. C'est sûr. C'est sûr. Suffit juste de savoir quand. Et ça peut être long. Mais... Non, ça peut être long. Non, en vérité, ça ne tient qu'à moi hein, de faire revenir cette émission. Il suffit de juste prendre mon téléphone et de faire yo, Volt, yo, Gab, yo, ou quelqu'un d'autre, ou peu importe.
juste trouver des copains, organiser, fixer le truc, quoi. C'est juste que pour l'instant, je j'en ressens pas le besoin, comment dire. Je veux dire, pour l'instant, ça me permet d'avoir du temps pour faire du Master Duel, pour relancer les émissions de Quartier RL, mais je pense que je vais y revenir parce que vous avez adoré et moi j'ai adoré le faire. Après, mes copains aussi, j'ai l'impression. Donc c'est que de la logique, quoi. C'est plus rentable d'acheter une boîte puis les cartes à l'unité. Je sais pas, Kidomaru, certainement. Certes, si tu veux juste les cartes, ça dépend ce que tu veux, en fait. Ça dépend ce que tu veux, ça dépend les prix que t'as, tout ça et tout, quoi. Volt va prendre une défaite monstrueuse à 16h. Ah oh bah là, grave. Grave. Bon, vous le saviez, on en avait parlé hier, mais aujourd'hui... Alors, on a dit à 16h, mais si, on fera ça à 16h. Hein. Si, on fera ça à 16h. Bah, si, on a dit 16h. On fera ça à 16h. Mais en vrai, on aurait pu faire ça un peu plus tard, genre 18, un truc dans le genre. Ah, quoique. Moi, je vais partir à 19h. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. On fera ça, mais du coup, on va s'affronter avec les decks pour l'événement qu'on s'est préparé, pour l'événement common et rare qui sera sur Master Duel dans quelques jours. Ça commence quand? Ça commence le 17 ou le 24? Ça commence le 24, non? Je crois que ça commence le 24. Ça commence le 17 ou 24? 14. Ah bah 14, c'était hier. Hein. 23, la banlist. Ok. Non, mais voilà, ce sera ça. Et du coup, nous, on s'ambiance. On s'ambiance et on va tester ça. Je vais lancer Steam. Ah, y a pas de son, c'est trop bizarre. Il y a aucune musique, c'est... c'est bizarre. J'ai mis le clic des os. Oh, y a pas de problème. Y a pas de problème. Écoutez cette musique douce. Oh, elle est trop faible pour que vous l'entendiez, là. Elle est trop faible pour que vous l'entendiez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit match en ladder avant? Je pense. Je pense que je fais un petit peu de ladder avant. Je commence à avoir chaud. Lancer le live me rend chaud. C'est trop bien. Tiens, je vais faire un duel avec un... Ah bah non. J'allais faire un duel avec un deck Exogel incarné, mais j'ai plus de... Au pire, on le modifie. Hein. Pourquoi il manque des cartes dedans? Wouah! Eh ben merci, Baranchi, pour tes 10 sub-gifts. Merci beaucoup. Incroyable. Tu régales. Merci beaucoup, vous avez vu? J'ai réparé les alertes. Ah, je suis un technicien hors pair. Merci Baranchi, des cœurs pour Baranchi dans le chat qui régale, merci à toi. Et bah tiens, nous on va modifier ce deck qui est en fait le deck de Xari, hein. Qui est en fait le deck de Xari. Hop là. Oh, et merci Kalo qui régale avec 5 sub-gifts aussi. Bon bah des cœurs pour Kalo aussi. Hein. Kalo qui a régalé de ouf hier aussi. Hein. Non mais merci, je ne peux que vous rendre ce que vous me donnez, merci à vous. Ça régale, voilà, ça régale, merci beaucoup. Alors, petit deck, Exodia, merci à Airtom qui lâche un abonnement, merci à toi pour ton 14e mois Airtom. Merci beaucoup, merci à vous, merci du soutien, vous me régalez. Est-ce que ça marche mon compteur de sub? Je crois pas qu'il s'actualise. Je crois pas qu'il s'actualise, les gars. Bon, je regarderai après. Livre de là. On va mettre ça. Et on va mettre les cartes. On va mettre... Mais merde, elles sont où? Si je fais carte liée... Si je fais carte liée, ça x 3 et ça x 3. Ok, il me reste 2 places. Il me reste 2 places. On va faire ça, parfait.
Let's gong. Ah ouais, mais après, ça c'est bien pour ça. Pourquoi je veux mettre peau d'avarice? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je mets peau d'avarice, moi. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça. Waouh! Merci à Sheishun pour ses 15 sub gift. Eh ben, merci à vous, mais... Alors, ça me touche, merci beaucoup. Des cœurs pour Sheishun dans le chat, s'il vous plaît. Ah, gars, 5, 10, 15. Ah ouais, ok, toi, t'as un crémant à chaque fois, alors. Le prochain, mais 20. Écoutez, je sais pas, mais je me dis, qu'est-ce que je fais mieux, qu'est-ce que je fais plus que hier? C'est la chemise qui vous plaît? La petite chemise, elle vous plaît? Je l'ai jamais mise parce qu'elle est trop petite, regardez, je peux pas... Je peux pas la fermer. Mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est la chemise qui vous fait de l'effet. Putain, je vais acheter... Ouais, Aloana, achète des chemises, s'il te plaît. Ça plaît à mes viewers, apparemment. Ah non, mais c'est la chemise. Mais au moins, j'apprécie que vous appréciez que je fasse un effort. Voilà, je suis obligé de vous le dire. Donc on prend. Merci beaucoup. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, en tout cas. Ça régale. On teste ça. On va se régaler avec ce deck. Hein. On va juste se régaler avec ce deck. Qu'est-ce qui me manque? Saryuja, il me manque. Ok, pam! Saryuja à la place de... De ça. Ah, heureusement que j'ai réparé les... En fait, si, c'est parce que j'ai mis les alertes, en fait. Je sais pas, j'en sais rien. En maillot de bain de water polo, c'est 200 subs. Ah, fais gaffe, hein, je l'ai avec moi. Putain, en plus, j'ai chaud. En plus, j'ai chaud. Je vais pas la garder très longtemps, cette chemise. On y va? On y va comme ça, vas-y, on va se faire plaisir. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Mais nous y allons. Bam, l'exodia incarné. Un petit deck, j'avoue que je l'ai jamais fait en decklist sur ma chaîne, ce deck-là, je crois. Parce que le seul deck exodia qui existe sur ma chaîne, il pue la merde. Comment est-ce possible? Il pue sévèrement la merde, en fait. Stylé le deck. Attends, on va faire une démo, on va essayer de le jouer, et ensuite tu pourras dire que c'est stylé. Ça me rappelle Vol qui avait pété le deck Exodia, mais low cost. Qui avait tenté. Ah bah c'est exactement ce que j'avais fait moi. Ah quoique c'était pas si low cost, j'avais des SR dedans. Bon bien sûr, je fais le mariole mais je sais pas jouer le deck. Bon j'ai déjà vu Xaril jouer et tout. Je comprends à peu près comment il tourne mais bon après ça devrait le faire. Envoyez au Cinchia un de vos monstres magiciens que vous contrôlez. Faut que je fasse ça. Là, j'espère pas me tromper. Hein. Sélectionnez une carte à mettre dans votre main. Hop. Et elle fait quoi? Envoyez au cimetière soit un monstre magicien que vous contrôlez, soit une autre carte, livre de magie. Depuis votre main ou terrain face recto. Ok, et elle fait quoi? Ah oui, non, ok, d'accord. Je suis allé chercher la mauvaise carte en fait. C'est pas grave. Donc là. Ah, mais si je veux, je peux garder le mob et je peux envoyer ça plutôt. Pourquoi je voudrais garder le mob? Pour mettre un Inkuribo, merci à toi Ghost. 54 000. Let's go pour me resub avec mon Prime. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. T'es en train de la hype niveau 5. Je crois qu'on a rarement eu ça. Je sais pas ce que je suis censé faire là. Je pense que c'est pas si grave si je perds le mob. Vas-y, on va perdre le mob. On va faire ça. On va faire ça, et prochain tour, on a un panda de trésor de ouf, du feu malade,
avec destruction. Vas-y, on va même mettre le deuxième Waboku. Putain, on a pendulé. Oh non, on est bien en fait. Bon, j'enlève mon. Je suis désolé. Attendez. Je vais baisser le chauffage et je vais enlever ma chemise parce que j'ai trop chaud. Merci à toi, Nani. En fait, je mets rarement des pulls à longue manche. Mais quand je mets des pulls à longue manche, j'ai soit trop chaud, parce que j'ai toujours l'habitude de mettre des t-shirts à courte manche, soit... Putain, le mec, il joue rien, je suis... surpris. Soit... j'ai trop froid, parce que je mets soit des t-shirts à courte manche, soit des pulls. Et du coup, quand je mets un t-shirt à longue manche, je mets toujours une chemise avec. Ok, Exodial interdit, c'est pas mal, ça. Hop là. Comment trouver des cartes précises, c'est-à-dire dans le jeu? Regarde ma toute première vidéo sur Master Duel sur ma chaîne Reason Go. C'est expliqué. Je suis inquiet là. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, envoyer un monstre interdit Exodia depuis votre main ou deck, et si vous le faites, renvoyez la cible à la main. J'ai pas accès à l'incarner en fait. Ça me donne accès à l'incarné? Non. Tant que je le pioche pas, j'y ai pas accès. Eh bien... Ah, ok, je sais. Je sais, on fait ça. On fait. On va faire ça, Yuja. On va ban ça. Et on va spé... ça. Merci Baranchi. Baranchi, il avait fait des sub-gifts, mais il était même pas sub lui-même. Merci à toi, tu régales. Ensuite, on fait ça. Ah, on attaque carrément, d'accord, ok. Ensuite, on fait ça. On banne ça. On se fait ça. Maintenant, on peut faire ça, Yuja. Ça marche avec un truc face recto. Non. Bon, je fais ça, Yuja. 1, 2, 3, 4. C'est le deck de Xari, exactement. Sauf que Xari, c'est le jouer, pas moi, quoi. Ok, le compteur est débloqué. 622. Merci, vous avez régalé. On va faire effet ça, Yuja. Qui va nous permettre de piocher 4. De piocher 4. Ah, mais il me faut une... Je vais renvoyer ça. Je vais renvoyer ça. Je vais renvoyer ça. Est-ce que je peux spé avec ça? Pour invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Ah. Donc en gros, il faut que je fasse ça. Putain, si Xari me voit jouer, il va m'insulter parce que je sais pas jouer le deck. Maintenant, je peux spé ça. La sacrifier et invoquer spécialement mon légendaire. Mon incarné légendaire. 2000 d'attaque, c'est pas ouf. On va faire destruction. On va activer l'effet. On va renvoyer ça dans la main. Et on va envoyer une partie au cimetière. Depuis la main ou deck. Je pense qu'on va dire le deck. On passe à 3000. Je peux pas faire plus, hein. Je pense que je peux pas faire plus. On tape ici. Tu te débrouilles bien pourtant. Ah bah j'ai des restes, hein, mais... En fait, je vois globalement comment il joue. Comment il tourne le truc. Mais... j'ai pas les micro-subtilités, les trucs de... Non, fallait absolument faire ça avant parce qu'en fait, t'aurais pu faire ça et t'aurais gagné ça et machin.
Tu ne peux rien face à mon Exodia. Il est insensible face à les effets de piège. Et même de cartes, pas seulement de piège. Ça, ça courait dessous, il fallait la mettre sur Saryuja, mon pote. Je vais dire fin de tour. Fin de tour, effet de l'incarner. Sélectionnez une carte à ajouter à votre main. Et maintenant, on va piocher. Ah non, c'est en stand-by. Oui, le boost d'attaque ne fonctionne pas sur l'incarné vu que l'incarné est insensible. En vrai, le deck est simple hein, à faire tourner. Le fameux Dominique Saryuja. Exact. Exact. Regardez comment je suis chaud pour affronter Volt là. On s'en refait une. On s'en refait une parce que c'était un peu simple. Et je vous montre la decklist pour ceux qui veulent après. Vous en avez pensé quoi? Bon, vous connaissiez. Qui connaissait pas ce deck? Tout le monde. Tout le monde connaissait, non? Je sais pas, je me dis toujours qu'il y a des gens qui connaissent pas ou... qui serait normal, hein, mais... Ah, il y a des gens qui connaissaient pas. Bon, après, on a eu une bonne sortie, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, on a une bonne main, là, aussi. Je viens d'arriver, j'ai rien vu. T'inquiète. Oh, on va jouer contre un deck. Dragon blanc del mundo. Enfin, dragon blanc... Dragon blanc... Del blue eyes. Je sais pas comment on dit en espagnol. Merci Meliodas pour le sub. Merci beaucoup. Tu régales. J'ai loupé le match contre Volt. Non, pas encore. Not yet. Il est encore en vie, pour le moment. Ah, c'est tout ce qu'il fait, le mec. De los Horrors. De los Horrors Azul. C'est vrai, c'est vraiment ça? En espagnol, le dragon blanc aux yeux bleus, ça se dit Dragon blanc del Hos Horrors? Non. Est-ce que la revanche, Ted contre Marie... Il manque un truc dans ta phrase. Est-ce que la revanche de Ted contre Marie pour Club Yu-Gi-Oh? Je comprends, mais c'est un peu maladroit. Mais je comprends. Je comprends. On va activer ça. Je pense que je peux envoyer la sorcière et faire son effet. Je crois que c'est le but. Merci Presco pour le Prime. T'es le meilleur maître Shifu. Merci. Ouais, je finis mon duel et je pars en vocal avec lui. Un duel contre Doc Seven. Oh, bah si Doc Seven il veut jouer, à un moment il vient et on s'affronte, y'a aucun problème, hein, vous le savez. T'as pas mis la sorcière? Ouais, je sais, parce que je vais chercher un autre livre là. Là, je vais chercher ça. Merci Cobra Panic pour le Prime. Alors... Moi, je pense que j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure. Je pense qu'on va aller piocher deux, plus tuto une partie d'Exodia, ou alors Panda de Trésor. Que je pouvais pas jouer ce tour-ci. Ah ouais, ok, on s'est un peu vite emballé là. On s'est un peu vite emballé. Merci Cobra Panic, je sais pas si je t'ai remercié. Je sais plus. C'est trop de... Vous êtes trop nombreux à vous abonner aujourd'hui. Mais merci à vous. Merci Soch King. Toujours un plaisir de regarder tes lives, Yu-Gi-Oh! Merci à toi. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse venir, on a le temps. Au fait, Zul,
Hier, tu devais faire une annonce. Je suis passé à côté. C'était quoi? Sogé Passage. Pardon. Eh bien... Non, bah non. Je sais pas si t'es son pote, mais... Ok, je me fais avoir, je me fais avoir. Tout va bien. Salut le fugitif. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, notre adversaire? Deck Dragon Blanc aux yeux bleus contre Exodia. Pour l'instant, on est protégé, hein. Ok, transaction. Très bonne carte pour les Blue Eyes. Ça vient de One Piece, tu crois? Non, c'est une troll, non? Ah d'accord, ok. C'est... Ça vient vraiment de One Piece? Bon, je sais pas, c'est marrant en tout cas. No fake, c'est One Piece, d'accord. Ok, ok, bah, je suis un culte de One Piece et des mangas. Vous savez que même Yu-Gi-Oh, j'ai regardé assez peu d'épisodes. Et en gros, c'était quand j'étais vraiment gamin, quoi. Mais un jour, je rattraperai ma culture, mais tu sais, ça prend tellement de temps. J'ai envie de faire tellement autre chose de ma vie que rester dans le canapé à regarder un truc, quoi. Ou voilà, faudrait que je l'écoute pendant que je travaille, tu vois. Mais est-ce que tu peux vraiment dire que tu regardes un animé si tu fais juste écouter, quoi? Le manga Yu-Gi-Oh! Est cool à lire. Ouais, après, manga, même combat, quoi. Mais je parle effectivement de l'animé, mais t'as compris, quoi. T'as 1000 épisodes, c'est pas énorme. Bah, 1000 fois 20 minutes, gros. Ça fait 20 000 minutes. Attends. Est-ce que j'ai envie de renvoyer à la main ça pour mettre une partie dans le cimetière? Ah, j'ai un doute. On va dire que non. Bon, pas très rapide ce match pour l'instant. Ok. Lui permet d'aller tuto. T'as déjà créé le deck NR? Ouais, j'en ai créé plus qu'un. Bon, j'ai créé des decks foireux, hein, les gars. J'ai créé des decks foireux, mais vous me connaissez. Vous me connaissez, y a pas de surprise. Enfin, si, y a que des surprises avec moi. Ah, ça y est, y'a un mob. Nous, on va chercher ça. Ça met une magie de plus au cimetière, on est d'accord, hein? Il existe des versions Kai de Yu-Gi-Oh? Je crois pas. Hein. Oula. Ciblez un monstre de bleu que vous contrôlez. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par les effets de cartes. Et aussi, les monstres adversaires qu'il combat sont détruits à la fin de la damage step. Tant que cette carte est dans votre cimetière... Vas-y. Je vais chaîne. Hein? Mais attends, si... Hein? Je me suis fait full ken en fait. Ah bah là ça marche pas. Ok, ok, ok. Mais pas affecté. Bah ouais, mais si je chaîne. Ah, parce qu'il l'a déjà ciblé. Ça doit être ça. Vas-y, on envoie ça. Hein. Ah, l'autre piège. Ah, c'est chiant quand même. Pas
pas grand chose pour me défendre du coup. Hein. Je pense que... Ah, je peux pas aller chercher Panda de Trésor. Ben, je vais juste aller chercher ça en fait. Juste pour tenir. Je suis bien. Et trois... vraiment. Ouais, je peux le faire qu'une fois par tour en plus. Vas-y, je vais poser ça au cas où il m'en détruit une. Et on va juste fin de tour. On attend, on est patient. On est patient, on attend notre heure. On attend notre heure. On est bien, il y a 8000 points de vie. On a plus de cartes que notre adversaire. Bon, j'ai qu'une partie d'Exodia au cimetière. J'ai beaucoup de magie. Si je chope un panda de trésor, ça va me permettre d'avancer. Ah, du coup, Rip Raigeki. Ah bah, on est d'accord. Ah, mais j'avais déjà un pendulier. Ah non, mais vas-y, il triche. Il triche, le men. Le mec. Oh non, dis-moi pas que ça remet dans le deck. J'aurais dû lire. Non, reste dans le cimetière. Reste dans le cimetière, je t'en supplie. Et ajoutez-le à votre main. Ok. Ça me va. Vol, viens. Bon, alors, à la fin de mon duel, je vais aller le voir, quoi. Après, si lui, il est là, il peut déjà venir, hein, ça me va. Hein. Salut, QC. Bon, heureusement que j'ai pas posé les trois, hein, ce qui aurait été inutile. Ok, on est sur un double dragon blanc yeux bleus inaffecté par les effets de carte. En fait, il me faudrait une carte comme Typhon. Parce que si... si cette carte face recto est envoyée au cimetière, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. J'ai rien pour détruire les magie pièges, je crois. En fait, je m'en fiche. Lui, il est inaffecté. Ok, il va falloir que je combatte le mal par le mal. Il va falloir que je combatte un dragon blanc à 3000 par un Exodia à 5000. Après, je peux gagner avec Exodia. Mais là, pour l'instant, c'est pas la joie. Là. C'est quoi l'event NR? C'est comme l'event Festival Xyz, mais avec que des cartes communes et rares. Et il y aura une banlist appropriée aussi. Ah, ils sont pas ciblables! Ah non, je peux les baiser. Bah ouais. Oh bah ça va. Ça va. Vas-y, fais tes invocations. Vas-y. Quel débutant. Je me gosse. Il croit quoi? Il croit qu'il va pouvoir passer à 9000 d'attaque et me tuer? Me tuer, moi. Il croit quoi, lui? Il joue contre Zulu-san, la version optimisée de Zulu. Quel débutant. Tommy Deida. J'active le pendulier de combat. Ce qui me permet d'éviter ta battle phase. Et de rester en vie. Trop facile ce jeu. Yeah. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Et tu vas regretter ce qui va t'arriver. Je pioche une carte surpuissante de mon jeu. Je suis dans la merde. Non, je suis pas. Non, je suis pas dans la merde. Je réfléchis juste à l'impact momentané que je peux avoir dans la game. C'est-à-dire que là, j'ai pas de quoi le tuer tout de suite. Je regarde mon extra deck. Très bien. Je peux rien faire pour l'instant avec ça. Je pourrais faire Raigeki, gérer tous ces monstres, faire ça, piocher deux. Mais j'ai pas d'accès pour invoquer. En fait, je peux l'invoquer ça, l'envoyer au cimetière, mais j'ai un Exodial incarné à 1000. Ce qui pue sa mère. Vol sur 101. Mais je peux pas, les gars.
Non mais go l'éclater, mais je vais l'éclater. Calmez-vous. Calmez-vous dans le chat. Bien sûr je vais l'éclater. C'est la base. Je cherche le bon timing. Moi je pense que... En fait, si je pioche, qu'est-ce que je veux piocher? Parce qu'un Exodial incarné à 0, après j'ai de quoi le protéger. En fait, faut que j'ai de... Ah, il faut vraiment que je chope un panda de trésor. Pour le prochain tour. Vas-y. Vas-y, tranquille. On est bien, on est bien. Je peux pas voler son numéro 5. T'as pas Phoenix? Non. Ah non, si seulement j'avais bien fait ce deck. J'avoue que ça doit être remplacé par Phoenix dans le deck. Hein. Ok. Hop là. Putain, j'aurais tous mes livres de la magie au cimetière, quoi. Staple de base. Ouais, mais j'ai fait mon deck avec... avec nonchalance. On est d'accord. Bien sûr, je vais mettre un phénix. Hop, on va piocher deux. Et il va croire que j'ai top deck le Raigeki. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Alors vraiment, piocher ça et ça, ça me plaît pas beaucoup. Moi, je vais pas Raigeki tout de suite. J'ai aucun intérêt à Raigeki tout de suite, je suis désolé. On va faire un truc très drôle. On va faire un truc très très drôle. Au moment où il va attaquer avec ça, je vais renvoyer ça dans son deck. Ce qui va mettre à 1000 d'attaque son numéro 100, ça va être drôle. Alors j'ai pas vu ce qu'il a mis par contre. Ah ! Ah ! Ah non, c'est bon, il attaque, mais non. C'est bon. Ah, il est pas ciblable. Mais si je le renvoie en merde. C'est pas grave. Regardez, j'ai trouvé la technique en fait. Je suis juste trop fort. Ah ! Non mais ça va, il casse les couilles aussi. Mais ça c'est trop bien, je peux renvoyer pendulé de combat à chaque fois. Mais c'est un move de 8ème année. Non mais les gens qui disent karma. Allez-y, allez-y. Regardez. Vas-y, frappe. Frappe. Est-ce que j'ai mal? Non. J'ai pas mal, Tommy Dana. J'ai pas mal, tu peux frapper. Regarde. Est-ce que je suis raflé quelque part? Tu peux taper, Domi-sama. J'ai le temps. Je n'ai pas de montre, mais j'ai le temps. Et je vais te montrer aujourd'hui qui est le maître Shifu. Katon ! C'est à moi de jouer. Et là, Zeus. Ah, ce serait chiant. Ah bah oui, 100%. 100%. Ah bah non, 0%. Et non, c'est un dueliste de seconde zone. Ouais ! Yes ! Plus la merde. Après... Putain, j'ai aucune partie au cimetière. Ah, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Vraiment, sans panda de trésor, en fait, le deck, il est moisi. Après, je peux faire Link Spider pour invoquer les deux. Faire ça... J'en ai un 3000, je pète ça. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Non, on est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, vas-y, on va faire ça. J'invoque le bras gauche.
de l'interdit. Je l'envoie au cimetière pour invoquer ma toute puissante araignée Elia. Je vais activer l'effet de l'araignée Elia qui va me permettre d'invoquer El Famoso, bras droit de l'interdit. Et tu te demandes à quoi ça sert. Tout simplement à invoquer. Oh non, je l'ai mis dans la zone. Oh, j'ai vraiment fait cette erreur de. Oh putain. Erreur de débutant. Erreur de débutant. Faut pas invoquer dans la zone d'araignée lien. Parce qu'après, tu peux plus activer son effet. Alors même si c'est qu'une fois par tour. Au prochain tour, j'aurais peut-être aimé la garder. Bon, après, vu que je suis un peu fort. Hein, on va pas se cacher. On va juste faire un Raigeki. Voilà. Je suis un peu fort, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est quoi cet alinéa de la carte que j'ai... Hein? Sélectionner une carte à poser sur le terrain. Hein? What the fuck? Bah... Merci de me retenir Raigeki, hein. Un Raigeki contre une... contre une Nick Spider? Bah, merci. C'était très gentil. Bon, ça n'empêche que j'ai pas fait destruction. J'aurais dû le faire. J'aurais vraiment dû faire effet de destruction. Envoyer une partie, j'aurais eu 3000. C'est une erreur de ma part. Parce que là, je peux plus. Bon, par contre, il est bugué ou quoi là? Allô ? Allô ? Je pense qu'il a préféré la défaite. Ah ouais, c'est le goût amer du dégoût qu'il a... c'est le goût amer de la défaite qu'il a en bouche, hein, je crois. Je crois. Bon, je présenterai le deck une prochaine fois. Je vais juste aller voir mon nouvel adversaire. Ouh là là ! Oh là là ! On va aller trouver Volt. On va aller trouver Volt. Alors, il est où? Oh bah, il est pas sur mon Discord, toujours. C'est pas grave, il vient quand il veut. Il vient quand il veut. Alors, mon Discord. Là. Bah non, pas waiting room. En stream, en fait. Ok. Ok. Merci Eizo pour ton deuxième mois. On refait un match, on refait un match. Yeah. Je fais mes petites... c'est des petites techniques que j'ai développées, les gars. Jugez pas. Il vient de lancer son live. Ok. Oh, bah, il a le temps. Il est pas pressé. Vous pouvez lui dire que sa défaite peut attendre un petit peu. Salut. Ah. Ouais, je m'accruste, toi. J'ai justement dit, vous pouvez aller lui dire que sa défaite peut attendre un peu, mais hé, hey, bonjour, Volt. Comment tu vas? Bah ouais, je vais bien. Mec, je te jure, ce festival... Ouais. Mais je trouve que c'est le meilleur festival du jeu. Ah, mais moi, je suis très content aussi, hein. Je sais pas ce qu'il pourrait inventer d'autre, mais là je me dis, je fais des decks, ça va être incroyable. C'est vrai? T'as fait beaucoup de decks ou pas? Ah, j'en ai fait que deux, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Oh, y'a aucun problème, mon pote. J'en ai fait deux, à mon... je pense que ça va faire kiffer les gens. Ok, ouais, écoute. Je n'en dis point plus. N'en dis point plus, mon ami. N'en dis point plus. Je suis en train de. T'as fait combien de decks, toi? Beaucoup trop, mais pose pas trop de questions. Oh bah, moi ça me rassure parce que autant il y en a un, je pense que je l'ai bien taffé. Ouais. Autant le deuxième, je vais pas te mytho, il est conceptuel quoi. Il est marrant. Non mais moi tous mes decks ils sont bâclés et conceptuels, hein, donc ne t'inquiète pas Volt, okay, tout ira très bien.
On va pouvoir s'amuser. Et c'est ça l'essentiel. Mais tu vois ce que nous apporte, parce qu'avec un peu de recul, ce festival NR, ce festival commune rare en fait, il nous oblige à quoi ? Il nous oblige à oublier les standards du jeu et à créer un deck qui n'existe pas. Et pour moi, c'est toute la beauté de Yu-Gi-Oh! qui se perd au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as envie de jouer un deck. T'as envie de jouer un deck Kuribo, tu tapes Kuribo top deck machin sur Google, tu cherches 20 minutes, tu trouves un deck et tu le copies et tu joues quoi. Ça a des avantages, c'est pas que du mauvais, tu vois. Mais moi j'adorais l'époque où t'avais des cartes, tu faisais un deck, il puait la merde, mais t'avais mis ton âme dedans, tu vois. T'avais mis ton âme. Non, mais c'est clair. Et ben là c'est pareil, quoi. Genre vraiment le deuxième deck là, c'est typiquement ça, c'est genre en mode oh putain, je peux me permettre de jouer ça, je peux jouer ça, et tu sais que tu seras dans un format où, bon ok ça peut être naze, mais ça peut faire des trucs. Ouais. Genre tu te dis pas, ouais mais est-ce que si je joue ça, je vais me faire rouler, non, normalement il n'y a pas censé y avoir de deck. En vrai j'en ai bien regardé hier, je suis pas sûr, peut-être Gookie, mais je suis pas sûr qu'il y ait des decks qui soient vraiment broken, vraiment. Gookie t'as regardé? J'ai même pas regardé, mais apparemment Gookie peut être fort. Mais Gookie, c'était fort dans Commune Only. J'ai pas regardé les. Le tournoi que j'avais organisé, mais. Oui, bah c'est exactement ce que je disais hier. En fait, il y a des mecs dans mon chat qui disaient ouais, Gookie. Et je t'avoue que moi je connais pas Gookie. Donc j'ai fait ouais, flemme. Vraiment flemme de comprendre le deck. Mais je me dis, si Gookie est fort, ça serait marrant parce que Yubel aurait été un petit. Zul aurait été un précurseur. Écoute, bah après, de toute façon, quand j'ai vu qu'ils annonçaient un festival NR, là, j'étais content parce que pour moi, c'est ce vers quoi le. Enfin, c'est ce que Konami doit nous proposer avec ce jeu. Pas faire que ça. Mais en tout cas, c'est le genre de truc, bah, tu vois, quand on en parle, on est très contents tous les deux. Ouais. Et moi, je suis très content avec ça. Attends, parce que Moi, tu vois, je me dis, il faudrait que ce soit pas qu'un festival, mais un mode de jeu. Ouais, bien sûr. En fait. Ouais, enfin. Parce que là, je suis deck, tu vois. Le deck là qu'on va jouer, il y en a un, vraiment, je le kiffe, tu vois. Et je me dis, putain, mais ça, c'est dommage, tu vois. Genre, vraiment, s'ils en font un mode de jeu et que ça continue dans le temps, et qu'il y a un ladder et tout de ça, mais mon rêve. J'avoue, vraiment, j'avoue, non, mais t'as raison. Ça, en fait. T'as raison. Mais tu vois, j'adorerais. J'adorerais vraiment qu'ils continuent dans ce genre de voix. Et c'est trop bien, pousser les gens à la créativité, surtout que sur Yu-Gi-Oh! Il y a 10 000 cartes. Alors tu sais, j'ai vu des gens sur Twitter dire « Ouais, mais attends, est-ce qu'ils ont regardé leur jeu? Il n'y a aucune carte jouable qui est NR. » On s'en fiche. La méta, c'est pas faux, la même. C'est faux, en plus. Il y a vraiment tellement En plus, il y a des trucs. Mais je veux dire, même si on doit jouer avec que des cartes de merde, tout le monde joue avec des cartes de merde. Donc c'est celui qui va être inventif avec des cartes de merde qui va réussir à sortir son épingle du jeu. Ouais. Bah en fait, le normal and rare vraiment fait un peu penser au Yu-Gi-Oh! D'il y a 10 ans, hein, vraiment. Hein. Genre là, je regarde comment on va jouer, je regarde un petit peu, c'est très lent, c'est très dans la prise de board, c'est très con. Alors peut-être que tes decks sont lents, mais pas les miens. Oh pardon. Waouh. Ah ouais, il va falloir assumer par contre après. C'est faux, gros, c'est faux. Mais je te le dis. J'espère que tu me fais 15 invoques en un tour là. Je te le dis, Vedek il pue la merde, mais ça va être trop drôle, Volt. Et on veut s'amuser, on veut s'exciter. Moi, franchement, j'avais pas allumé Master. Je vais être honnête, j'avais pas allumé Master Duel depuis un petit moment. Ouais. Sauf récemment. Parce que je regarde beaucoup GX, c'est que je m'étais chauffé à faire un deck héros. Bon, après, j'ai vu le prix du deck héros dans Master Duel, j'ai commencé à suer. Mais là, ça m'a redonné envie de faire des decks, de build, de rechercher des trucs. Il y a vraiment. Là, j'ai passé la soirée à regarder toutes les cartes pièges du jeu pour savoir s'il n'y avait pas un truc un petit peu Gucci, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est trop bien. C'est vraiment le. Ouais, c'est le feu, franchement, c'est le feu. Ouais. On va pas bouder notre plaisir. Normal and rare, ça va être fou, ouais. On en reparlera à la fin du BO parce que si ça se trouve, t'sais, imagine les gens, ils sont là, ils se saucent. T'sais, ils se saucent. Et en fait, ça pue la merde. Tu vas voir, on va invoquer un monstre en attaque. Toi, tu vas invoquer un monstre en défense, ça va être. Voilà, c'est bon, il est bien le duel, non? J'avoue. Bon, moi, je suis très chaud. Donc, écoute, si quand tu veux, mon cher Zulux. T'as, moi aussi, j'ai très chaud. Je suis justement en train de ventiler mon t-shirt tellement j'ai chaud. Je savais pas que je te faisais cet effet là, mais tu sais, après c'est. Tiens, je repense à ça. Notre dernier BO, les gens ils avaient bien kiffé. je repense à ça, je lui dis que je lui donnais chaud. Il fait ah, je repense à ça. Je repense à ça, c'est vrai que. Il y a une époque. Non, mais. Parce que en fait, là, cette semaine, je vais upload
un BO que j'ai fait avec Youbel, et où vraiment, genre, il s'est pris des combos de mes decks, mais genre, je pense que je l'ai traumatisé. Mais genre, sur Master Duel ? Ah ouais, genre, t'es très... genre, dis-toi... Genre les Toon Bird ? Non, mais ça, c'est... Dis-toi que je l'ai OTK avec un deck Gross Meat Ultime. Ah ouais, mais il force aussi, lui. Qu'est-ce qu'il... Comment ça, il se fait TK par Gross Meat ? C'est-à-dire que j'avais deux Gross Meat Ultime sur mon terrain et je lui ai fumé sa race, quoi, genre. Ah, ok. Bah, normal. Mais tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'adore. J'adore ce genre de truc. Les défis de deck building, c'est ma sauce et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Volt. Je rappelle, j'explique. Je réexplique un petit peu les règles. D'ailleurs, question. Est-ce que t'as créé tes decks en suivant la banlist qu'ils ont... Oui, ok. Bon, j'explique. En gros, dans le jeu, il y a un événement qui va arriver dans quelques jours qui s'appelle le NR Festival. Festival des raretés rares et communes. Et c'est comme le Festival Xyz, sauf que le jeu vous oblige à créer un deck avec uniquement des communes, des rares et une banlist. Il n'y a pas les Time Lords, il n'y a pas les Trous Draco. En tout cas, on ne sait pas. Ils ont dit... les archétypes suivants seront semi-limités, limités ou interdits. Ouais, ils vont tout bon. À mon avis, ils vont tirer au fusil à pompe dessus. Ils vont vraiment pas chercher à comprendre. Il y aura pas de Tenny, il y aura pas de Dragon Spiral Spectre. Tous les archétypes où on se disait... Quand on a vu l'annonce, moi je me suis dit, je vais faire un Time Lord. D'ailleurs, toi aussi, tu l'as dit, t'as un deck Raphion, là. Ouais, moi j'ai un deck Fion, je l'avais même mis sur YouTube et tout, j'étais trop chaud. Oh, putain, il va être trop fort. Après, je me doutais quand même qu'il allait se prendre un truc. Mais bon. Et ouais. En tout cas, avec Volt, pour préparer cet event, on s'est dit, on va tous les deux, chacun créer des decks et s'affronter, c'est ce qu'on va faire. Je vais créer la salle si ça te va, mon cher. Ouais, vas-y. Mon cher Volt. La bagarre. Et on va se faire ça. Si après tu veux enchaîner avec des duels un peu plus classiques, si on a le temps, si t'es chaud, on peut aussi se faire ça. Pas de soucis, j'ai plein de decks sur ce jeu. C'est vrai ? Bon bah trop bien alors. Trop bien. J'ai mis trop d'argent. Alors hop là, je vais créer une petite salle. Et je vais te partager. J'avoue qu'en vrai, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 decks. Oh ça va. Ça va. Bon, j'en ai un, c'est un Exodia low cost. Tu veux l'histoire de mon Exodia low cost ? Vas-y, raconte. Je veux. Petite histoire. En fait, je voulais build à Exodia, mais j'étais en mode code en DM sur Discord, excuse-moi. Vas-y. J'étais en mode flemme, j'ai pas envie d'aller crafter des UR pour faire un Exodia, tu vois. Genre, je voulais juste un jour invoquer Exodia. Donc, je cherche à faire un Exodia low cost, donc sans les UR que j'avais pas. Et donc j'ai fait un truc un peu chelou avec les bibliothèques, monde des toons, de la draw, les épées de bambou, enfin tous ces trucs quoi. Ouais. Et je t'assure mec, je crois que j'ai mis... Alors j'ai réussi à gagner durant mon live 24 heures, mais je crois que j'ai mis à peu près 6 heures avant d'avoir une victoire. Le deck, actuellement, je crois que je ne vais plus jamais le jouer, il est en une victoire, 18 défaites. Après, attends, t'étais en quel elo ? C'était catastrophique. T'étais en quel elo ? Là, j'ai pas trop monté, j'étais en gold 2, là. D'accord, okay. Ouais, même comme ça. Mais en fait, je me prenais des trucs. Il y a eu un moment, j'ai failli tout casser. J'avais affronté un mec, j'étais... au bord de la victoire, mec. Je te dis, il manquait une partie d'Exodia. Il restait deux cartes dans mon deck. D'accord. Ah ouais, ok. Il arrive, il morphe au genre. Ah, ça devait être drôle. J'avais envie de mourir, mec. J'en pouvais. Nom de la salle, c'est toi ? En japonais, là ? Ouais, c'est moi. Ok. Ouais, ça c'est une note dinguerie. En gros, j'ai fait un event il y a une semaine et demie. Et dans mes donation goals de cet event, c'était à un certain montant, je crois à 3000 balles, je devais passer mon jeu en coréen. Et en fait, à un moment, j'arrive, je lance mon live et je regarde les gens et je dis « Bon, venez, viens, j'apprends un nouveau deck que je connais pas encore, qui est un peu méta, machin et tout. » Et je dis « Je vais apprendre Dogma Invoke Shadow. » Propre, tu vois, c'est un deck que je connais, mais de très très loin, tu vois, mais genre, toutes les subtilités, les effets, les machins et tout, tu vois, je sais à peu près comment ça tourne, je vais pas te mytho, mais dans le détail, tous les monstres
tous les monstres Shadow, je connais pas leur effet, machin et tout. Et là, t'as un mec. Ouais. Donc, je crée le deck. Je lance une game, t'as un mec, il a 500 balles de dons, on passe le palier. Je dois mettre mon deck en coréen, mon jeu en coréen, et du coup. Tu connais aucun effet, du coup. Je connais aucun effet, je suis en panique et tout. Et je peux te dire que la game, elle est trop drôle. Je joue contre un toon en plus, et la game, elle est incroyable. Franchement, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. T'es dans la. Je suis dans la roue, vas-y, on se met table 1. Ouais. Allez, c'est merci parti. À toi, Odinium. Zolo. Alors là, je prends mon deck qui est pas foufou. Ah, le meilleur pour la fin, évidemment. Je garde le meilleur pour la fin. Ok. Alors moi, j'ai 4 decks, hein. Mais t'inquiète, on est là pour. Oh, t'inquiète, je pense que celui-là, je vais beaucoup l'utiliser parce qu'à mon avis, je vais pas réussir à faire mes combos tout de suite. On est là pour se régaler. Mais du coup, voilà la petite histoire de pourquoi. Pourquoi j'ai. J'ai un nom en coréen ou en japonais. Non, c'est du Jap, ça. C'est du Jap. Ça, c'est du Jap, ouais. Coréen, c'est un peu plus arrondi sur les, c'est sur vrai. Les caractères. Monsieur est spécialiste. Oui, je suis un petit peu trilingue, là. Bon, mon cher. Oh là là, c'est la pire. Ah, mais tu commences. Parfait. Je crois. Une carte face cachée. Ah, c'est une carte face cachée, Zolo. Très bien. Doro. Doro. Que vas-tu faire, mon cher Volt? Rien du tout face à ma carte face cachée. C'est fini. J'invoque Burst Inatrix, héros des éléments. Ah, ok. Il y a des viewers à moi qui m'ont joué des decks héros. Ah, je suis dans une ambiance Jaden, hein, je suis pas de pointure en ce moment. Ah, tu t'es pris 1200 de ma Burst Inatrix, c'est vrai. Foutu, en fait. Je pose 2 cartes face cachée. À toi de jouer. Est-ce tu as beau être un bleu obélisque, moi le rouge sliffer. Juste trop roleplay peut-être. Non, t'inquiète. Non, je réfléchis. Ah d'accord, ok, j'ai cru que t'étais. Oh putain. T'étais passé ton tour. Ouais. Attends, faut que je compte. Ah, t'es pas mort. Pardon. Ah ouais, mais moi j'ai pas ton temps, gros. Ok. J'ai pas ton temps. je t'ai dit que j'étais un peu surprenant quand même avec mes decks, mais. Ah, mais bon, si! Il me dit, je suis pas mort en mode, il va botter K là, mais c'est un ouf lui! Ah, oui, mais non! Ah, bah non! Hein. Mais jamais tu botter K là! Oh, t'es un gamin! Si, je pense. Qu'est-ce que tu joues en 7? Ah! Très bonne carte, ça. Une des meilleures cartes pièges du normal rare, je crois. Oh, ça va, là, au-dessus. Oh, on est où, là? Celle-là aussi, une des meilleures cartes pièges. Dommage, les deux sont mortes. Oui. Chaque carte... Mais wesh, quoi? Non. Ça va, t'es pas mort, mais... Je suis un peu pressé comme mec, j'ai pas le temps. Il peut attaquer 3 fois là? Oui! Si j'avais gardé un des deux typhons, je pouvais te tuer, mais. Ah non, même pas, t'as pas. T'as bien fait de le faire de toute façon parce que je te bounce ou je te ban. Ouais, c'est. Énervé! Ok! Tu sais que Jaden top deck à chaque fois. C'est donc mon cas également. C'est parti! Vas-y! Oh putain de merde! C'est de la merde. Après, si t'étais un bon joueur, t'aurais pu faire évacuation sur Burst Inatrix, récupérer ta ton truc écoute, paléo. Écoute-moi bien, Zolox. J'invoque Chaleur, Blazeman, héros des éléments. Ok. Je vais chercher la polymérisation. T'as chance, je vais galérer ma race à remonter. Normalement, c'est un décoté cas, mais j'avoue, j'ai été un peu pressé. Attends, mais comment il fait son deuxième effet? Ah, si tu lis pas les petites merde, lignes. Merde, entre même fois, vous pouvez activer cet effet, vous ne pouvez pas avec ça. Ah, tu peux activer qu'un effet. Oh non, je peux activer qu'un des deux. Et oui, il fallait lire les petites lignes. Ah, c'est si nul que ça. Volt. Mais tu penses vraiment que j'ai perdu? C'est mal me connaître. T'as mais encore 2 backrows. J'ai toujours. Ah, mais tu joues tes trucs paléo et tout, tu casses la tête là. C'est le jeu.
Oh. Intéressant. Ouais. Merde, hein, j'avais Ouais, vas-y, façon. Plaisir. Et je joue Mataza le Zapper. Mais c'est quoi ça? Cette carte peut attaquer une seconde fois. Ok, la carte, le contrôle de cette carte, ça n'a pas de chance. Ah oui, d'accord, ok, super. Volt. Attends, mais... J'active mon panneau. Ah ouais, c'était sûr. Ah non, attends, mais je suis quand même dans la sauce, là. Oui. Enfin, c'est ce que tu crois. Non, ça va, ça va. Okay, tu dois défausser, même... non? Ouais, faut quand même que je me défausse d'une carte. Ah, c'est relou, ça. Hein. Ça va être un peu relou, ouais. Putain, j'ai pas le choix. Hein. Je vais faire l'effet de ma hache du désespoir. Ah, faut l'équiper? Ah! Oh non! Oh non, j'ai pas lu! Dans cette carte, c'est... Quel débile! Oh non, je devais prendre l'avantage là! T'es tellement foutu! J'active l'effet de chaleur et j'envoie un vilain héros des éléments au cimetière! Ensuite, j'active ma Miracle Fusion! Pour invoquer. Ouais. L'homme-oiseau! Héros des éléments! En mode attaque! Ouais, lisez vos cartes, les gars! Ensuite, je pose ce monstre en attaque et je passe en battle phase. Bon, ça va, t'es tu foutu, Zoulou! Bon, ça va, tu me tues pas. Moins 2100. Moins 1000. Moins 1200. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment, je sais ce que je vais piocher, quoi. Je pensais que je la remettais juste au-dessus du deck, je savais pas qu'il fallait sacrifier un monstre. Aïe aïe aïe. C'est ouf parce que c'est le moment clé du deck. Parce que tu peux faire ton effet de Blazeman. Et derrière en plus j'aurais géré tes deux monstres quoi. Avec un seul. Zoulou, j'active changement de forme. Hein? Je sacrifie l'homme oiseau. Hein? Pour invoquer Vapor, héros masqué. Et attaquer. Bah je suis pas mort. Zoulux. Oui, t'es pas mort. Et alors, genre, ouais, mais bien, ça va, je t'ai mis à 100, quoi. C'est vrai. En fait, y'a pas changement de masse dans le jeu, mais t'as changement de forme, donc ça va. T'as, c'est bien. Changement de forme, ça fait quoi? Bah, c'est comme changement de masque. Mais sauf qu'il faut avoir le même level. C'est ça qui est le problème. D'accord. Bah, en vrai, ça va. Eh, regarde, je vais te faire un move qui est marrant, regarde. Non destructible par les effets de cartes. Je vais faire un move marrant, juste pour montrer aux gens. Ligne 2. Dispo, machin, truc de l'enfer. Effet. Je vais te reveal ça. Ouais. Et je peux tuto tous les matos. Hein? Ouais. What the fuck? Ah, c'est pas mal ton truc quand même. Bon, les... Ouais, j'aime bien, moi je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire un deck héros élémentaire un peu à la... qui peut marcher. Bah après, c'est du 4 cartes combo, quoi, donc vraiment... Ouais, bon après, ça marche, faut le dire vite, mais... Mais voilà, c'est ça, non mais t'as raison. Y'en a un qui gagne, y'en a un qui perd dans ce duel, hein. L'exécuteur Félix. Non mais Volt, t'as cru que t'allais gagner, vraiment? Moi non. Je révèle le pendulier de combat. C'est très grave. Oh, what the fuck. Alors, Volt? Ouais, donc là ça casse ma battle, c'est ça? Exactement. Putain. Réfléchissons. Ouais. Ok. Non! Ma condition de victoire! Sérieux? Allez, à toi. Après, ce qui vient, c'est que mes monstres peuvent pas être au combat, là. Enfin, mon exécuteur Phoenix peut pas être détruit au combat. Ouais, bah, je pense que j'ai fait une erreur, on le sait, hein. On le sait, ah on bah, le sait. La hache du désespoir, j'avoue, c'était un peu dommage, là. Oh, bah non, j'ai niqué la game. J'ai Allez, niqué la première game. On va la gagner comme ça, je pense.
De quoi comme ça? Comme ça, on mourra pas sur un autre pendulier. Oh, c'est tranchant. Décimeur de terreur. Qu'est-ce que ça fait? Une perce d'œuf. Ok. Devine ce que j'ai drop, pendulier. Bien joué. Oh non. Tu sais, je me suis dit, oh putain, dans mon deck, j'ai que des équipements. Si je top deck ouais. un équipement, je battle ton monstre en attaque, là. Bon, t'avais peut-être une carte piège pour gérer. Mais c'était ma condition de victoire. On se le refait? Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Pour l'instant, je garde le Jaden Bebou. C'est comme ça que s'appelle mon deck. Jaden Bebou. Je te jure, vraiment... Bon, après, mon deck est basé sur la surprise. Je t'ai dévoilé ma surprise trop tôt. En fait, j'ai fait vraiment l'erreur de débutant. Quand t'as un deck OTK, il faut le sortir que quand t'as l'OTK, quoi. Mais... Bah après, bon... Mais c'était marrant. On n'est pas dans un format où même si je connais ton deck, bon, je peux vraiment tant jouer autour que ça, tu vois. J'ai pas non plus des lignes de play qui vont à droite et à gauche. Oh, je joue en premier. Ouais. Bah j'ai cliqué sur jouer premier, mais... En fait, le deck après, de base est going first, mais je joue certaines cartes qui me permettent de le jouer premier, du coup. Ouais, c'est pas foufou. Ok, j'invoque Perse Ténèbres, héros de la destinée. Putain, c'est tous les héros que personne connaisse. C'est ça, les gens qui jouent à Duel Links, ils les connaissent. Et du coup, on va pouvoir partir sur le décimeur de l'effroi. Je sais même pas si c'est son blast d'ailleurs. C'est là si se spé si t'as... Non, c'est l'autre qui invoque spé un héros destiné de la main. Ah, intéressant. En gros, j'ai cherché des deux cartes combo pour invoquer lui directement en fait rapidement pour ensuite aller tuto tous mes matos en fait. Putain, mais trop mal. En vrai, t'as poncé un peu le deck. Hein. Parce que mes viewers, ils avaient créé des decks héros avec des cartes communes. Et franchement, je les ai tous roulés dessus. Je leur ai tous roulés dessus. Après, ils ont peut-être pas top quoi. Enfin, top deck. Après, quoi. J'ai cherché en fait à faire lui rapidement. Et en vrai, il y a que lui, là, le héros de la ciné. Et un autre héros que je t'ai pas encore montré, mais qui est pas mal aussi. Malheureusement, bon, après, ça fait rien d'autre plus, tu vois. Genre, j'ai des héros en main, mais tant que j'ai pas poli, je peux rien faire quoi. C'est vrai. Ouais, mais bon, au moins, tu t'avances dans ton deck quoi. Ah c'est ça, c'est que ça fait un peu de value, ça fait des... Ça fait... En fait, ce qui est important dans ce genre de format, c'est faire du card advantage. C'est ne jamais être en manque de ressources, quoi. Toujours pouvoir avancer un petit peu et voilà, essayer d'optimiser un petit peu ouais, ça. T'as raison. Bon, tu poses une carte face cachée, Zulux. Oh, cette carte, tu ne l'avais jamais vue, j'avoue. Ah, mais là, je peux rien faire. J'invoque Parkman, héros des éléments. C'est toujours la première draw de Jaden dans chacun des duels. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sparkman nous va bien en général, il aime bien les deux. Ok, maintenant j'invoque le décimeur de terreur. Lui c'est un des meilleurs lignes 3 de ce format. Il y a trop de patates, c'est n'importe quoi. Il est où par contre ? Je le vois pas. Oh putain de... Je le vois pas. Bah, t'inquiète pas que j'ai bien identifié que c'est lui qui m'avait baisé, donc il reviendra plus jamais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, chiant. Ouais, ah, chiant. En plus, c'était mal joué parce que j'aurais dû taper avec les deux avant, je me suis fait plus de dégâts dans tous les cas. Ouais. Non, petite erreur, j'avoue. Bah ouais, mais bon, petite erreur. Non, mais ça va aussi. Pourquoi j'ai posé en plus la carte? Pourquoi je l'ai posé? Bah pour bait un typhon, fais pas genre. Ah non, mais faut que je la garde cette carte, c'est une des plus fortes. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Payer d'éléphant en multi... Pardon? Ça va. Attends, tu m'attaques à 6006 là? Ça va. Bah alors vol, tes points de vie fondent comme neige au soleil. Ouais, mais tant que j'en ai pas zéro, j'ai pas perdu mon pote. Exactement, bien joué. Ah, ouais. J'avais un monstre en défense, parce que je sais. Aïe. Ouais, fais pas genre. Quoi, fais pas genre? Attends, okay, je cherche tous les monstres flips qui sont chiants. Alors déjà, on va jouer ça. Oh, je suis dans la merde. Arrête, pas moi. Oh, j'avoue, les gars du chat. Oh, ils m'ont dit un truc de ouf. Putain, j'avais même pas fait gaffe, les gars. Oh, je suis désolé, ouais, j'avoue. Non, c'est bon, Qu'est-ce c'est bon, du coup, c'est bon. Là,
Ah ouais, mais j'ai perdu du coup vu que l'attaque deux fois. Oui, mon gars. Ah mais je suis un trou de balle. Ah mais oui, mais je pouvais pas. Il y a un partout, mon cher Volt. Oh, excusez-moi les gars, je suis désolé. En fait, alors pour savoir, en fait, j'avais Céleste en main. Et c'est vrai que dans ma tête, Céleste, lui, l'effet de Céleste, c'est tu pioches deux. Mais c'est vrai que Céleste, il a un autre effet, que c'est si tu tapes, il peut péter une magie magie continue sur le terrain, un truc face recto, et tu perds 500. Mais en gros, j'aurais pété ton équipement et j'aurais pété ton monstre. Vas-y, on fait la belle. Allez, c'est en parti. En fait, on va faire des BO3 de deck, en fait, non? Oh, wow, bon. Enfin, j'en sais rien. On verra. Oh, j'ai tellement zappé l'effet. Oh, je suis deg. T'as, mais tu sais, je me suis... Attends. Y a pas un mégamorph ou un truc dans le genre qui est en rare ou en commune, tu sais, genre... C'est pour ça que j'ai posé mégamorph. Ma... Ah oui. Non, pas mégamorph, non, je dis des conneries. Des cyberjars ou des trucs comme ça, c'est morphojars ou machin. Ok. Ah. Ah, tu m'as laissé go une seconde. Intéressant. Cool. Cool. Le petit Perse ténèbres, ok, Perse ténèbres. Ça, je savais pas. Cool. Eh, ma combo, elle marche. Eh, ça marche. Non, mais tu vois, ce qui est beau, c'est que t'as tryhard pour faire un deck héros. Oh, je l'ai fait en 20 minutes. C'est pas lui que j'ai tryhard. Oh ouais, tu vas voir celui que j'ai tryhard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as amené ton expérience de compétiteur pour faire un deck qui en soi est nul, mais qui est le. Qui peut tourner. Qui est un deck nostalgique, avec beaucoup de contraintes, mais poussé au maximum, quoi. C'est ça. Regarde, tour 1, je fais mes trucs, hein. Ouais, ça joue, hein. Ça joue, on est en 2022 ou. Genre. Ah, j'ai pas encore résolu H. D'ailleurs, j'ai mis Maxé dans tous mes decks, hein. Ouais, bah ouais, logique. Je vais mettre la decklist après. Ouais, je vous la montrerai. Ouais. C'est vraiment un truc que j'ai fait à Last Dub, les gars. Mais je suis surpris de voir que ça fait des trucs, quand même. En fait, moi, je pars comme ça. Quand je build un deck, il faut vous dire... Partez du principe qu'il faut que votre deck fasse un truc et pas 36 000 choses. Exact, et il faut limiter les choses au plus basique. Comme ça, il le fait bien. C'est tout à fait l'inverse de ce que je fais à chaque fois. Mais je sais ça. C'est les choses que j'explique quand je parle à des débutants qui veulent créer un deck, c'est des choses que j'explique, tu vois. Mais dans mes decks, j'ai toujours 20 000 idées. Et c'est pour ça que les decks fun que je fais, c'est vraiment des decks fun, quoi. C'est vraiment juste pour m'éclater, quoi, tu vois. Mais... Non, bah t'as raison. J'active Blazeman, héros des éléments, mon cher Zulu. Oui. Pour aller chercher ma polymérisation. Oh, tu m'inquiètes, toi. Oh, je vais faire un move que j'ai pas fait depuis un moment. Voire jamais, d'ailleurs. Oh non. Oh ouais, mais c'est trop bien. Du coup, je refais le même. Et je peux retuto. Oh, c'est fou. Ouais. Et là, je te reveal lui. Ouais. Et je vais chercher Sparkman. Et là, je fais poly. Ouais, mais tu vas me faire hommage. Pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je fais ça? Après, ce qui est bien, c'est au moins tu sais. Ouais, mais regarde, j'ai aucun mon stylet en plus. Il est pas facile à invoquer, lui. Hein. Merde, j'ai cru que t'allais changer ton invocation en mode bon, bah, du coup, vu qu'il va faire hommage. Sens du monstre! Battle! Exécuteur Phoenix Lumineux! Attaque directement les points de vie de Zulux! Attends, j'ai pas que hommage. Je vais activer pioche de défense! Mais quoi ça? Bah. Mais non! Voilà. Ah, sérieux? Bah ouais! Attends, mais tu pioches une carte, tu prends pas de dégâts? Bah ouais, gros! Tu peux passer ton tour, gros! C'est très grave, faut que je joue ça dans Exodia. Mais faut que je joue ça dans mon Exodia, moi, bah ouais, mais bon, après, faut être un bon deck builder, quoi. Ah ok. Ouais, non, t'as raison, j'ai pas joué autour de ce que je destruction. Je comprends. Bon, t'es content, t'as invoqué un monstre à 4000, mais bon... Bah attends, c'est l'exécuteur Phoenix Lumineux, attends, il est trop dur à invoquer. Mais t'es l'exécuteur Phoenix Lumineux. Oh, arrêtez de me bully, là.
Après, bon, c'est exécuteur Phénix lumineux, mais bon... Aster Phénix serait fier de moi. Est-ce que... Est-ce que l'exécuteur Phénix lumineux... Après, il peut pas être au combat, donc j'en bats les couilles. Hein? Ah, c'est dommage, hein. Hein? Oh, on n'a pas eu les cartes? Non, tu mens. Non, c'est la dernière ligne, je te jure. Non, tu mens. Attends, mais quoi? Non mais... Ah ouais, il passe à 4300. Bah, et ce qui est mathématiquement plus que ton monstre. Ouais, je vais perdre 300 points de vie, super. Attends. Cette carte ne peut pas être détruite à l'issue d'un combat, putain. C'est chiant, en vrai, c'est vraiment chiant. Bon, après je t'avoue, il a 4000 parce qu'en fait, il est lié au monstre. Hein. Ah. Intéressant. Matasa, oui, le zapper, défonce-le! Hein? Ah non? J'ai mal lu, moi aussi? Non, mais quel menteur! Ah non, c'était les monstres démons! Ah ouais, bah non, en fait, j'ai aucun boost. Pas du tout, y'a aucun rapport! Y'a aucun rapport! Oh, c'est les monstres démons, tiens! Bah, démons et guerriers, c'est pareil, non? Oui, bah oui, bien sûr. Eh, en tout cas, à celui qui a la plus grosse, tu as perdu, mon ami! Attends, mais comment je booste mon attaque, moi? Pour chaque carte dans votre cimetière qui a vu héros dans son nom. Donc il suffit que j'ai un nouveau héros et je passe à 4300 moi aussi. Ou alors ça. C'était évident. Je pose une carte face cachée Zulu et j'active la puissance du mage. Non. Bonjour. Tu joues ça. J'ai beaucoup plus d'attaques que toi. Non. Non, c'est abusé. Battle! C'est abusé, gros! Tu sais que c'est une des meilleures cartes d'équipement, je trouve, dans ce format! C'est trop fort, ce truc! Ah, j'avoue, c'est excellent, gros! C'est excellent, gros! Ah, merde. Qu'est-ce que tu vas faire face à mon Matasa, le zapper? T'aurais peut-être dû te mettre en mode défense, mon pote! Pourquoi tu fais genre là? Pourquoi tu fais genre? Ok. Bon, tu prends 300, ça va. On passera au plan B tout à l'heure. À toi. Allez, donnez-moi encore plus de puissance! Pas mal ton monstre, il est très très fort, ton Matasa le zapper. T'es un grand samouraï. Tu es un grand dueliste, Zulux. Mais c'est quoi ton portrait? Ah, ça fait chier, attends, je vais perdre nos dégâts là, au bout d'un moment là. Oula, quoi? Ouais. Que vas-tu faire face à mon Matasa le zapper avec deux épées et deux haches? Attends, je prends combien? Je prends 3003? Matasa, détruis-le! Attends, je réfléchis, Zulux. Attends, faut réfléchir. Il y a rien à réfléchir, gros. Il y a rien à réfléchir, mon pote. Trop d'attaques, ton bordel, c'est un truc de ouf. Lui, il va faire quoi, lui? C'est vrai qu'il est fort. C'est vrai qu'il est fort. Ok, bon. Volt! Matasa, ouais. Le zapper, détruit son monstre! Ah, il peut attaquer? Bah oui, mais t'es con ou quoi? Putain, ça fait 3 tours, gros! Ah oui, c'est vrai, je suis un connard. Bon, eh ben, allez, pour pas mourir. Oh non! Mais je vais pouvoir redétruire ton monstre, en fait. J'invoque le vent divin. Héros masqué! Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Il est pas destructible au combat non plus! Oh, le bâtard! Et tu peux attaquer qu'avec un monstre durant chaque battle. Ouais, oh, bah ça, c'est pas grave. Je draw. Tu draw. Et j'active. Dinomuscus paléozoïque. Ça fait quoi? Ça fait des petites choses sympathiques, ça. Non, mais... Tu as cru que tu allais détruire Matasa? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, Volt? Tu ne fais rien, je suis dans ta tête.
Je connais tous tes coups. Je sais tout ce que tu vas faire. Et là, tu vas juste passer ton tour. Volt, merde. Tu ne m'as pas écouté. Ouais. Mais vraiment, je vais me mettre en colère. Vraiment. J'ai dit, Volt, je suis dans ta tête. Je joue mes terres, je me monstre. Il va pouvoir faire perce dommage et te détruire, Volt. Madaza le zapper. Détruis-le. Oh, je suis choqué. Il avait typhon d'espace mystique pour la puissance du mage et il avait laissé tout du bandit pour Dinoviski. C'est trop. C'est trop. Il a top deck sur top deck, j'en peux plus. Ok, bien joué. C'est une belle victoire, The Lux. Ouais, c'est quand t'es un stade au-dessus, quoi. J'avoue, la chatte du type, gros. Putain, par contre, genre... Mais t'as eu toutes les cartes pour le bon scénario. Vraiment, c'est un duel d'animé, là. Hein. C'est vrai. Vraiment le mec, j'ai activé une carte, il a la carte en réponse. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. J'avoue, c'est n'importe quoi, gros. C'est terrible. Oh, débarre. Tu sais que j'ai... la dernière carte que j'ai top deck, c'est puissance du mage. Je pouvais faire passer mon Mataza à 9900. Mais tu sais qu'en plus, je pense vraiment honnêtement que ce deck là, contre mon deck, le lot là, le bon deck, je pense jamais de la vie tu peux gagner. Genre, il y a aucun univers où c'est possible. Mais c'est pour ça que je l'ai joué contre celui-là. Parce que je suis dans ta tête. Parce qu'en fait, ce truc, il est... Ouais, putain, mais le... Ah, mais il peut attaquer deux fois. Deux fois 9003, ça fait beaucoup, quand même. Tu sais qu'il y a un mec... Ça... Genre, hier, j'ai affronté les gars un peu du chat. Il y a un mec qui m'a joué un deck token avec que les tokens qui se boostent. C'était trop marrant. Oh, j'ai un deck comme ça dans Radio Yu-Gi-Oh! Dans Club Yu-Gi-Oh, pardon. Bon, en version rétro, hein, mais genre trop marrant. Bon, vas-y, je veux affronter d'autres decks, là. Ok. Bon, malheureusement, moi j'ai que deux decks, donc pour l'instant, je garde le Jaden Bebou. Tu sais que si j'avais pas eu Matazal Zapper, mais Benke, là, il aurait eu 7000 d'attaque et il tapait 5 fois, hein, gros. Tu vois la dinguerie. Tu vois la dinguerie. J'avoue, c'est marrant. Bon. Pour vous montrer le deck, les gars, attendez, pour ceux qui veulent voir, vite fait. Attendez, je vous montre en speed. Bon, c'est rien d'optimisé, j'ai fait ça en 20 minutes, hein, les gars. Donc voilà, c'est rien d'opti, mais voilà, ça c'est le deck. Non, mais c'est cool, c'est trop cool. T'as, les duels étaient cool. En vrai, franchement, ça tournait, hein, tu faisais des trucs. Ah ouais, tu fais des trucs sympas, ouais, ça va. T'as, mais gros, quand j'ai vu que t'as fait vent divin, tu l'as mis en défense, que t'as fait ta piège, et que j'avais mon. ma piège pour cancel ta piège, et que t'allais faire fin de tour en défense. Et que j'avais mon météore, gros. Ouais, c'est trop. Et je vais pas de mytho, j'en ai un seul dans le deck. De météore ? Ouais, ça. Pourquoi j'ai pas mis géant de tonnerre ? Parce qu'il faut Clayman, et Clayman est nul, je trouve. En fait, je me suis juste basé sur Sparkman, Berserkrix et Avien, parce que le héros, là, il reveal, et du coup, en fait, tu veux pas non plus avoir trop de monstres normales dans ta main, c'est un peu de la merde. Et lui, il est très fort, lui, le prodige infernal, il est pas mal. Ça expé de la main comme ça, gratuitement, lui. Je suis en train de regarder ma liste aussi, j'ai qu'un seul météore. Par contre, les lames là qui mettent 2000 d'attaque, c'est trop fort. C'est trop fort. Ouais, c'est pas mal ça. Si on tape Jaden Baby, on peut le trouver. Comment ça, Par contre, j'avais un doute sur la piège de défense. La pioche de défense, est-ce que si tu tapais avec ton autre monstre, ça... je prenais des dégâts? Ah, je sais pas. Ah! Ah ouais, je me dis, ah ouais, non, il y a un monde où tu prends des dégâts, ça serait pas aussi fort, je pense. Ouais, mais en gros, je t'ai dit, ah oui, oui, en gros, je t'ai dit, tu peux juste passer ton tour. Et t'as passé ton tour comme un pouf. Ah bah, t'as été meilleur, il m'a mindfuck. Il a été en vrai, 100%. Ah non, mais c'est sûr, ça 100%, tu regarderas le replay, 100%, essayé de t'influencer. C'était non, mais ça serait trop fort sinon. Ça serait n'importe quoi. Ça serait même joué, je pense. Oui, je mon chat dit que tu prends les dégâts. En fait, tu cancelles qu'une seule attaque. Oui, bah, ça paraît logique. Vous regarderez le replay et vous verrez ce que j'ai fait à Volt du coup. Trop drôle. Donc, ça c'est le deck. Voilà. Bon, ça, next match. Allez, c'est parti. Donc là, toi, t'as que deux decks, on est d'accord. Ouais. Après, je pense que je peux en créer assez rapidement. Oui, bah ça se crée facilement. Juste avoir l'idée de quoi faire, en fait. En fait, si j'ai l'idée de quel thème de deck je veux faire, je pense que je peux en créer assez facilement. Rapidement, pardon. Bon, je suis encore à Jaden. Après ce duel, enfin après ce petit BO, si tu veux, on partira sur le deck. Ah, tu joues encore avec Jaden? Okay. Ah non, je garde le master deck pour la fin. Vas-y.
Non, les gars, je lui sors pas le deck tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, il m'a bluffé, j'ai changé de deck. Oh, what? Putain, je suis en train de regarder ma main, je me dis la même chose, gros. Quoi? Ouais, vous savez quoi? Je pense que c'est même... Au hasard. Tac, tac. Je pense que c'est même... Ouais, mais... Ouais, ça... En vrai, si t'as une main merdique... Je pense que c'est même pas intéressant. De viens, on joue vraiment... un nouveau deck contre un nouveau deck, quoi. Comment ça? Ah, tu veux que je joue l'autre, mon autre deck? Ouais. Vas-y, si tu veux, tu veux qu'on fasse ça, comme tu veux. Ouais, ouais, je veux bien. Et après, au pire, on refera des matchs si tu veux rejouer ce deck-là, machin, ouais, et tout, okay, quoi. Okay, okay. Comme okay, ça, on dévoie pas, machin, et tout, c'est cool. Ok, donc là, tu veux que je te sorte le deck? Ouais, ouais, enfin, ouais, bah oui, forcément. C'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. De tous les duels que j'ai fait hier, ah, je m'avance beaucoup, hein, si je perds vraiment, bah tant pis, hein, je me fais karma. Non, de mais... tous les duels que j'ai fait hier, j'ai pas perdu une seule fois. Ah ouais? J'ai pas eu un match où j'ai perdu. Eh ben écoute, on verra ça. Bonne chance à toi, Volt. Bonne chance je à toi. Je joue en premier? Bien sûr que je joue en premier. Moi j'avoue, ce deck il a jamais perdu. Mais il a jamais joué. Non, je rigole. Ah, il a jamais joué. Non, non, si je crois que j'ai joué contre des viewers, j'ai perdu le premier match. Et après, j'ai gagné, je crois. Ah, parfait, je vais pas pouvoir dévoiler tout de suite, c'est très stylé. Je pose une carte face cache. Et je termine. Et une autre carte face cache. Ok. Et je termine mon tour. Eh bien, à toi, mon cher ami. Oh. Ok. Je suis mort de rire parce que vraiment le deck. Tu verras, gros. T'es pas au bout de tes surprises, gros. On va pas tout dévoiler tout de suite. J'invoque la tomate mystique. Ok, on est dans Club Yu-Gi-Oh! Et j'invoque en attaque la tomate. L'avatar mystique. Du roi du feu. Oh, c'est quoi ça? Barang. Tu m'expliques? Lui, il fait rien de spécial, c'est juste qu'à la fin de la... En gros, s'il a été détruit par un effet de carte au cimetière, je peux ajouter une carte roi du feu de mon deck à ma main. Ok. Et pour l'instant, il fait rien de bien spécial, ma foi. Je vais rentrer en battle phase. Rentre donc en battle phase. Pour l'instant, Zulu passe son tour, c'est très étrange. Écoute... On attend un peu, on a le temps. Il est en mode... Attends, mais wesh, t'as cette carte en main, on est où là? Là, j'irai te jouer quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu peur, j'avoue, c'est pas très rassurant quand un mec il stack ses cartes comme ça en main en général. C'est jamais très rassurant, hein. Ça va. Putain, je sais même plus ce que ça fait, ça. Non, mais vas-y, tu peux jouer. Tu peux jouer, Doc. Doc, Volt. Jeu de rôle. Si c'est un hommage torrentiel, je suis baisé. Mais ça y est, t'sais, il s'est fait baiser une fois, maintenant il est là en mode. Que va-t-il faire? C'est pas grave, on joue pas au tour. J'invoque Barang, avatar du roi du feu. Encore. Et je passe en battle phase. Je suis obligé. Très bien. Crois pas que je joue. C'est pas le même deck. Très bien, mon cher Zulux. Ok.
X6-4. Hein? Ouais, il y a des X6 dans le jeu, c'est vrai. C'est le vrai, bateau c'est... Active l'effet du bateau. Ouais. Qui permet de détruire un monstre qui a moins d'attaque. Et de perdre 1000 points de vie. Non? Ah, tu me mets 1000? C'est vrai, je crois, ouais. On voit aussi. Ah, non, au c'est toi qui les prends. Si vous le c'est faites. Toi qui les prends. Ah non, mais vu qu'elle est bannie, en fait, elle va pas au cimetière. je voulais te brain en mode c'est toi qui les prends. C'est toi qui les prends. Oui, c'est vas-y, vrai. À toi de jouer. Oui, c'est vrai, vu que mon point de vue est de combat et. Que pour l'instant, tu n'as pas vu mon deck. Hein. C'est vraiment les. Toutes là, c'est toutes les staples, on va dire, du deck. C'est très marrant. Ma stratégie n'est pas encore révélée, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Électroménageur. Vous ciblez un monstre que vous avez... Ok. Ça va expéder de la main, en gros. Elle vient du même nom. Ok, ben ça... Je me tâte. Je sais pas ce qu'il peut faire, en fait. C'est le deck 5€, on me dit. Le deck 3 euros, en fait, j'avais fait. Ouais, je m'en rappelle. C'est ça. Le fameux deck 3 euros. Toi, t'as pas d'effet rapide. Oh, quand même. Ouais, mais j'ai un monstre à 2100 points d'attaque. Oh non! Quoi? Ma tomate! Ça va. Ah putain. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta norme? Ouais. J'aime pas ça. Ah putain! Je me suis dit que j'avais pris trop de tempêtes inferno de ta part là. Ça me fait un peu... Putain, mais pourquoi j'ai ça, là? Bon! J'invoque! Ah, ça peut peut-être être mieux de jouer ça. Ouais, non. J'invoque Barong! T'as encore lui? Et je l'équipe à la puissance du mage! Il est là, le mec! T'as, tu et je l'équipe à la puissance du mage! Oh, putain! Battle! Oh merde. Oh, j'ai trop le seum, gros. T'as un gros. Trois exemplaires de la même carte en main. Casse la tête. Par contre, ce qui me rassure, c'est que t'as pas vu mon deck. Et ça me fait plaisir. Ouais, je vois que t'as bien gardé. Bon, après, je sais que tu joues des puissances d'image, quoi. Bon, et ben on est parti. Battle! Oh, t'as perdu c'est la grosse brique. Pas, yes non, c'est la grosse brique. C'est la grosse brique, gros. J'ai gagné sans montrer mon deck, putain, trop bien. Ouais, ton hommage, il m'a fait super mal, quoi. Il m'a fait vraiment super mal. Bon, bah, 1-0. Allez, 1-0. 1-0, hein. 1-0. Il commence quand, l'event, semaine prochaine, non? Le 24, je crois. Ah ouais. Le 24. Est-ce que. Ouais, non, je vais te laisser commencer. Allez, bonne chance à toi, Volt. Zolo, je pire. Oh. Ah là, ça va être dur de. Ça va être dur de pas dévo là. Merde. Qu'est-ce qui me joue le man? Ah, fuck. Ça va être très dur de pas dévo là. Ah non. Après, si t'as fait un deck, c'est pour le dévo aussi, non? Non! Merci, professeur, pour le sub. Non, je dévo pas. Je dévo pas tout de suite. En vrai, je peux attendre. C'est pas... Ça sert à rien, en vrai, mon move, techniquement. Donc, je peux attendre. Oh, ça fait chier de les avoir en main! Ah oui, mais non, je suis con. Oh, ouais. Attends, quoi?
Et Ferrabule, vous pouvez défausser cette carte, le monstre. Ouais. Durant le jeu qui est dommage, c'est un monstre. Attends, mais elle fait rien, ta truc là. Ouais, non, mais je suis con. J'ai oublié un truc. Oh, le Link 1. Ouah. Et j'invoque le dragon ménage. Électroménager. Il faut pour toi, après que j'ai cette carte, collier pendant. Ouais, ok. Mais en fait, j'ai oublié un truc, c'est que tu prends pas de dommages appliquant cette carte. Donc là, je peux attaquer, ça fait rien. Et voilà, j'ai oublié. Je suis un con. Ok. Doro. Ouais. Pose une carte. À toi. Oui, je me mets en handicap, les gars, y'a quoi. Faut pas le battle. Donc, un joueur de retard de dommages, je comprends, parce que c'est une fois par tour, la première fois cette carte est collée pendant un monde adversaire, vous pouvez bannir un monde. Oh, j'ai la flemme, je comprends rien au monstre. Vous pouvez détruire le monstre. En gros, ah, ouais. En gros, je t'explique parce que c'est chiant. Ouais, vas-y. S'il est comme ça, là, s'il est pas collier, enfin bon, bref, j'invoquerai pas d'autres liens de toute façon. Si tu le battles, je vais détruire ton monstre par effet et tu vas perdre l'équivalent en attaque de l'attaque de ton monstre. Il peut pas mourir au combat ? Si. Si, si, il peut mourir au combat. Oui, non, il faut que ce soit un monstre collier. Une fois après le calcul des dommages, si ce monstre n'est pas collier, combat un monstre d'adversaire, vous pouvez détruire le monstre. Ah, après, si oui, d'accord, après le calcul des dommages. Après le calcul. Ok, d'accord, ok. Ok, ok, d'accord, très bien. Hmm. Oh, c'est quoi ça, Spectrozoma? Oh putain. Oh putain. Oh non, c'est en défense, merde. Je crois que c'était en attaque. Bon, bah, je peux toujours pas t'infliger de dommages. Bah, yes. Ok. Doro. Doro. Bien, ça. J'active l'île du roi du feu. Ok. L'île du roi du feu. J'active l'effet. J'ai détruit une de mes cartes et en gros, je vais pouvoir tuto un monstre roi du feu. Ok. Putain, mais c'est quoi ton deck? Je connais pas l'archétype. Ah bon, je vais chercher Arvata, le roi du feu. Ok. Bah, c'est un deck roi du feu en fait. T'as pas compris encore? Donc Arvata? Lui, c'est une negate de monstre. Hein? Ouais. Non. Je te jure, c'est trop fort. Non. Lorsqu'un monstre s'active. Enfin, bon, c'est pas une négate détruite. En gros, je peux détruire un monstre feu dans ma main ou mon terrain, mais c'est sauf lui. Et en gros, je peux négate. Bon, en gros, voilà. C'est fort. Ouais, c'est pas mal. On est dégâts quand j'attaque cette merde. Ah, d'accord. tu savais pas? Non. En gros, le monstre qui détruit. Tu prends des dégâts équivalents à l'attaque du monstre qui détruit cette carte. Ok, ok. Ouais, Arvata, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est une free negate en norme, c'est plutôt marrant. Ça dans ce deck. Ok! C'est vrai que je joue ça, ok. Ah, t'inquiète, Namora, je connais. Ah, ça arrive à ton monstre. Parce que, apparemment, what, c'est une negate. Bon, je me fais kaijouter. Apparemment, c'est une negate, gros. Skip. Ouais. Mais maman, ça trouvait le truc. Quoi? On va aller faire des dommages, hein. Ah, mais je prends aussi les dégâts, mais ouais. Ah bah oui. Ça commence à être dur, là. Hop, et maintenant, on va jouer énergie en chaîne. Oh. Bon, je vais pas avoir le choix. Ah, j'aurais peut-être pu faire ça avant. Ah, putain. Est-ce que je vais dévo mon deck?
Bah oui, tu vas dévo, gros. Ah, j'aurais peut-être pu faire un truc un peu mieux. Je paye 500. Non, vas-y, je dévo pas tout de suite. Jusqu'au bout, le type. T'as énergie en chaîne, j'avais joué ça à mon premier championnat de France, gros. Ah ouais? Ouais, je peux dire que ça a fait suer plus d'un, mec. Bon! Bon, c'est quoi ton deck, là? Zul! Ouais? Je suis pas Youbel, moi. Ouais, ouais, mais il va être temps de... Bah, tu me confonds avec Doc, je peux te confondre avec Youb. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il va être temps de dévoiler mon deck. Mais tu sais, Zulu, finalement, depuis le début, t'as peut-être l'impression que je te confonds avec quelqu'un, mais en fait, t'as un lapsus révélateur depuis le début. Et est-ce que c'est... Ça fait quoi, ça? Tu vas tuto? T'as détruire et je cherchais un roi du feu, comme tout à l'heure. Ok. Donc, je dois détruire une carte de ma main pour aller chercher un roi du feu. Je détruis... Youbel. Oh, je connais pas du tout. Effet de Youbel! Vu qu'il a été détruit, je peux invoquer Youbel, terreur incarnée. Ok. Ah, tu as payé 500? Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Et... Pour l'instant, on va pas se taire. Alors, Youbel, à la fin de chaque end phase de mind phase, tous les monstres sur le terrain sont détruits. Ok. Si tu l'attaques, je ne prends aucun dégât et il n'est pas détruit au combat. Par contre, toi, tu prendras les dégâts de ton monstre. Si Youbel, terreur incarnée, quitte le terrain, j'invoque Youbel, cauchemar ultime. Ok. Ah, t'as un monstre à zéro d'attaque, quoi. Ah ouais, c'est... Contre un peu mon deck, c'est chiant. C'est un peu chiant. Ah, j'ai jamais joué contre un Youbel, gros. Non, Youbel, t'es... Alors, les dégâts que je mets avec Youbel, c'est uniquement avec avec Cauchemar Ultime. Ah, c'est pas mal, ça. Ah bah, ça, ça... Défend l'espace mystique. Ok, tu peux unleash. Fais gaffe, tes points de vie sont assez bas, quand même. Et de l'île du roi du feu. J'ai détruit une de mes cartes et je peux chercher un roi du feu. Je détruis Youbel. Bah pourquoi tu fais ça? Effet de Youbel, il a été détruit. Ah. Ok, Youbel, cauchemar ultime. Putain, ok, j'apprends un nouveau deck. C'est cool. Alors Youbel, cauchemar ultime, lui, à la différence de l'autre Youbel, c'est qu'il détruit pas tous les monstres. Par contre, c'est pareil, si tu l'attaques, il se passe rien, tu prends les dégâts, et si moi j'attaque, ton monstre est détruit et tu prends les dégâts. D'accord. Après, avec un monstre à zéro, tu vas pas faire grand chose. Oui, c'est pour ça que j'invoque Arvata. Ok. Vas-y, on va faire pioche de défense. On a le temps. Ok, attends. Attends, bref. Attends, je rêve. On est en une phase, il te reste... Oh putain, il te reste 1009. Ouais, c'est le pôle problème. Un peu le problème, c'est qu'il me reste pas beaucoup de points de vie. Alors, si avec Youbel tu m'attaques... Alors, faut qu'il attaque les monstres. Dès qu'il attaque un monstre, le monstre est mort, et tu prends les dégâts en point de... Enfin, son attaque en point de vie. Et je détruis aussi le monstre. Et le monstre est mort, ouais. Ok. Et tu peux pas péter Youbel au combat. Alors ouais, je prends 1800 quand? Quand okay. Tu me... Quand... Le monstre qui détruit ce monstre. Ouais. Et ben en gros, tu te prends les dommages. Ouais, ouais, je vois. Ok. Très bien. Volte. Quoi encore? Je vais mourir sur quoi, là? Je
D'accord. Je joue ombre tout. Je cible ton monstre, tu vas perdre sa valeur d'attaque. En point de vie. Ah. Tu prends les dégâts d'attaque avec Yubel ? Non. Non. Intéressant. Ah, shit. Après, je meurs pas. Mais bon. Ah, ça marchera pas. De quoi ça marchera pas ? Non, en gros, si je chaîne et que je parle, je fais un typhon d'espace mystique sur mon détour, ton truc se résout toujours. Je sais pas du tout. Que la condition d'activation, c'est d'avoir le monde détour, mais pour le reste, c'est pas ça. Putain, j'ai pas le choix de faire ça, là. Ah, ça peut me poser problème, donc bon. Oh, tu détruis ton monstre ? Ouais. Oh. Oh, c'est tellement bien joué. Oh, je te jure, ça me baisse tellement, gros. Ça me baisse tellement. On affronte pas n'importe qui ici. Oh, je suis tellement... Ouais, je ferai une vidéo pour le deck héros. Déjà, j'ai fait l'app de Jubel aujourd'hui. Allez sur la chaîne, si vous voulez. Putain, mais ton deck, il compte tellement le mien. Ah, tu me fais chier, gros. Ah bah, c'était le but, hein. Pourquoi j'ai que des monstres à zéro d'attaque ou des monstres où tu perds pas de... où tu prends pas les dommages. Bon, en tout cas, j'avais jamais vu Yubel. J'avais jamais vu Yubel version cauchemar. J'avais jamais vu Yubel cauchemar ultime. Ouais. Mais ah, c'est... Est-ce que toi, tu connaissais Yubel cauchemar ultime toon? Mais il a zéro. Ouais, je sais. Je sais, c'est nul, mais... On met ce qu'on... Il revient à Mindphase ou pas? Ah bah non. Il est à moi, gros. C'est Yubel cauchemar ultime toon, t'as cru quoi? Oh, ça... Putain. Tête à toi. Ah, fuck. Ah, là, il me faut une bande drôle. Hein. Genre pas ça. Putain, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu, bien joué. Je peux pas jouer. Bien joué. Ah non, mais me tue pas avec un spectre Zoma là. Avec un toon au moins, je sais pas. Non, mais j'ai pas de toon, gros. J'ai vraiment. Ah bah super là. Mais tu me connais pas, moi je joue des cartes toon sans jouer les monstres toon. Alors, ok, si tu veux. Allez. Oh non, je me suis fait brain. Oh, je me suis fait brain. Oh non. Bah alors, Zulu, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as brain une fois, à mon tour? Oh non. Oh, je me sens souillé, gros. Oh. Oh, je me sens souillé, gros. J'avais gagné. C'est possible que t'avais gagné, hein. Ah, par contre, c'est marrant, Yubel il revient pas. Yubel. Non. En fait, là, le cauchemar ultime, lui, il fait rien de plus. Putain, je pioche que des magies, putain. Gros, j'ai que des monstres à zéro d'attaque hein, dans mon deck, donc t'inquiète. T'inquiète, t'es safe. Je me sens un peu trahi par un ami quand même, c'est vrai. Attends, mais là, ça marche pas. Là. Ah, style, retourne les monstres pour les... Ouais, mais ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ah, j'aurais pu faire... Oh ! Non, que vous... Non, ça a rien fait. Tu sais que nos deux decks ont la même mécanique. Parce que mon deck, il a la mécanique de Yubel, en fait, clairement. Je connaissais pas Yubel. Je savais pas ce que ça faisait. Je peux rien faire avec l'île, les gars. Allez, une phase à toi, malheureusement. Putain, chier. Ah, Yubel, il est niveau 10, en plus. 10, Terra incarnée 11 et Cauchemar Ultime 12. Mec, j'ai que des monstres à zéro d'attaque, vraiment. Non, il faut détruire un monstre pour tuto, les gars. Allez, faut que je pioche Yubel là. Mais putain!
C'est terrible. J'en ai marre. Oh, ce match. Tu n'arriveras jamais à mettre les sorts en dernier point de vie, you. Zulu. Tu es fini. Bah, si je la gagne, celle-là, elle est incroyable. Attends. Ah, mais attends, je peux peut-être faire ça, en fait. Attends, là, faut que je lise tout ça, parce que... Tu regardes que le match, c'est un autre monstre que vous contrôlez au coin. Vous pouvez déposer une cale... Bon, bah les couilles. Oh non. Oh non. Oh non. C'est par des effets qu'il peut pas être pété, lui. Lui, il va mourir, là, mon Dilomiscus. Ah bah oui, je suis un... Attends, what? Je suis invincible. Y a pas besoin d'avoir des monstres au niveau 10 pour être imbattable, mon cher Volt. Alors tu peux juste jouer des électroménageurs. Je joue Aspirer l'éléphant électroménageur. Il va juste te bousiller, gros. En fait, j'ai pas prévu d'extra deck dans ce deck. Et j'ai mis celle-là au pif. Tu sais, genre, j'ai vraiment 6 cartes d'extra deck. Pourquoi j'ai pas lu jusqu'à la fin, là? Vraiment, j'en veux plus de moi. Ah, j'en veux plus. Ah, c'est la revanche, là. Putain, j'ai pêché. En vrai, c'est marrant parce que j'ai pêché 3 magies de suite. Et en gros, mon île du roi du feu, normalement, elle peut être plutôt mes rois du feu. Mais j'ai pioché 3 putains de magies de suite. Ah, tu es par un aspi éléphant, gros. T'en penses quoi? J'en pense qu'il y a 1-1. Et que tu fais bien trop le malin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai pas que des decks comme ça. Hein. Après, je vous avoue que le début du match, j'ai giga troll parce qu'en fait, j'avais les 2 briques Yubel en main et j'aurais pu les défausser à la chaîne pour tous les rois du feu qu'il me fallait. Et je l'ai pas fait pour pas dévo en fait. Ah, mais là, après, c'est parti. Ouais, mais si t'avais fait ça, peut-être que ça m'aurait mis bien. Hein. Je sais pas. Là, c'est le vrai duel. C'est l'ultime. Ah, c'est une phrase de loser ça. J'invoque explorateur planétaire. Effet. T'as pas mal le petit explorateur pour aller chercher un... L'île du roi du feu. Je connaissais pas du coup le deck, enfin la synergie roi du feu. C'est un deck très connu sur Duel Links. Ah ouais, d'accord. Effet de l'île du roi du feu. J'ai trouvé une carte dans ma main pour chercher un roi du feu. Qui je pourrais détruire? Yubel. Par hasard. Effet de Yub. Tu fais beaucoup le mariole quand même. J'invoque. Terror incarné, si. Bibi. Bibi. Bibi, señor. Bibi. Et je pose des cartes face cachée. Bibi. À toi de jouer. À toi de jouer, si. Jeudi et vendredi, normalement, Dilek. Alors, putain, c'est très intéressant. Non, y'a pas de planning cette semaine, les gars. Il est pas mal, hein, le Yubel, quand même. Il est stylé. T'imagines, en plus, si hier soir, j'avais fait exprès de craft des crafts pour avoir Yubel en brillant et que j'avais cramé 3000 points rares. Imagine. Kaiju. Alors là, voilà, ça, c'est le typiquement le pourquoi Yubel est un peu chiant. C'est parce que c'est un Lorsk. Et là, en gros, vu qu'il quitte le terrain sur une invocation, il miss timing. Après, il est pas détruit. Il est sacrifié. Même, c'est marqué quitte le terrain, en fait. D'accord. Dès qu'il quitte le terrain sur une invoque, c'est pour ça que quand tu le link, tout ça, ça marche pas, ça miss timing. Par contre, si c'est pris par exemple dispositif d'évacuation obligatoire, là j'aurais pu le faire. Prochain live GX, peut-être demain. Je réfléchis. Ah ouais, ça marche pas. Je suis désolé, je t'invoque un kaiju et on est perplexe. Ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de faire mon kaiju. Je pense que j'avais encore le temps, vu ton deck. Maintenant, je l'ai joué, c'est un peu tard. Secret pour avoir les Yubel, je crois pas. C'est
c'est un peu tard. Ah, fait chier, j'ai mal joué. Bah merci d'avoir mis un monstre à 3300, parce que mon monstre il avait 0 à la base. Du coup, merci en fait. Ouais, bah... Allô. Allô. Ah ouais. Ah ouais, ouais gros, bien. Bah ouais, mais j'ai pas réfléchi avant en fait. Ah, c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, il s'en va les couilles. Allez, on va t'en. Ah, battle. Ouais. Go, Jizukiru, Kaiju Destructeur. Attaque Zulux. C'est quoi ça? Il prend vraiment pour un con en plus. C'est un cylindre magique, gros. Oh, c'est tout. Oh, c'est tout, tu te prends 3300, gros. Ça va aussi Hein? Ah oui, ok. Ok. D'accord, moi j'ai pris 3300. Bien joué, j'ai pris 3300. Il était tellement aveuglé par ce que j'ai dit qu'il a pas fait attention à ce que j'ai fait. De quoi? De quoi, de quoi? Bah juste mis 3300, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas là. Arrête de m'embrouiller comme ça, Zulu. Qu'est-ce que tu me baragouines ici? Les gens disent mur dimensionnel sera peut-être interdit. Ouah, je sais pas. Non, en fait, c'est les cartes qui te suicident qui vont être interdites, mais ça tu te prends pas dégâts toi-même, donc en vrai, je pense pas. Par contre, il y a une carte, genre, il y a une carte performapale là qui dit piocher défausser 3 et piocher 3, enfin jusqu'à 3. Et tu prends 1000 pour chaque carte que tu pioches, t'as pas invoqué de performapale. À la base, c'est une carte de tuto, mais ça peut être aussi une carte d'auto-burn, donc il y a un moment que ça s'abonne, tu vois, par exemple. Non, je fais pas ça, Namoraz. En fait, j'évite de trop utiliser cet effet-là, sauf par rapport à Yubel. Parce que sinon, j'ai plus de cible dans mon deck et je peux plus détruire Yubel. Et des fois, je peux perdre comme ça, en fait. Putain, j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider. Bon, après, je peux faire ça. J'ai passé. Ouais, après tu peux me mettre 4. C'est vrai que t'avais. En fait, c'est juste un deck burn ton truc en fait. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est un burn déguisé un peu. Mais il y a un monde où les cartes burn risquent d'être ban. Hein, je crois. Mais ouais, mais en fait, je pense qu'ils vont burn les trucs. Les chain burn. Parce qu'il y a un deck commune chain burn en fait qui est craqué en fait. Et qui est pas très intéressant à jouer contre. C'est marrant de faire ça, mais... Ah, je suis vraiment trop indécis, gros. Je suis vraiment trop... Je sais pas si je joue à go, pas go... Après, je suis peut-être en train de te brain, encore une fois, tu vois. Mais... Toi. Mais non, faut mais savoir. Je ne me laisserai pas faut duper deux fois. Il faut te méfier, mais non, faut le savoir. Ouais, ouais. Je ne me laisserai pas duper, là. Parce qu'en vrai, ça dépend beaucoup de ce que tu fais, ce que tu fais pas. J'ai envie d'invoquer ça, les gars. J'ai envie d'invoquer ce truc-là. Je pense que jamais de la vie, je peux l'invoquer, en vrai, mais... Je vais essayer. Allez, faut jouer, hein. Je pensais BO3, c'était BO3, le jeu de base. Quoi, t'as cru qu'avec Zulu on allait jouer à Black Ops? C'est quoi l'idée? Voilà, d'accord, ouais. Bon, on va éviter de faire hommage dessus, du coup. Mais non, tu sais. Bon, après, t'as juste pas hommage, quoi. Peut-être. T'as juste pas hommage, mon pote.
faire la classique, hein. Oh non. Ça fait quoi? Ban. Oh non. Oh non. Fais pas genre tu savais pas. T'es en train de me brain. C'est ça, Zoulou. Il est fort maintenant. Il est fort. Ah ouais, bah... Il y a Van Paulson. Ouais, très bien. Ouais, très bien, ok. Ok. Après, si j'ai pas de monstre sur mon terrain, tu peux pas me youbel. Hein. Oui, enfin, là... Bon, après, t'as deux monstres face cachée. Je sais pas c'est quoi tes merdes. T'as deux cartes face cachée. Ça va, ça va. C'est vrai que je pourrais partir sur lui, ouais. Je suis d'accord. Après, je prendrai mon... Bah, un autre deck, de toute façon, j'ai encore deux decks, donc... Vas-y, vas-y, t'inquiète. Bon! En vrai, je crois que lui, il peut être jouable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dégueu, lui, en vrai. J'invoque Barong. Ok. Et pour la première fois de ma vie, je vais invoquer ce truc. Qu'est-ce que c'est? Le combattant du feu. Effet lol. Oh, Daruma. Trop fort. J'ai peur un peu de tes merdes là. Je m'inspire pas confiance. Tain, Daruma jouait ça dans Harpy. Bah ouais, c'est plutôt pas mal là. Quoi encore? J'espère que tu aimes bien tes youbels. Tu ne les reverras plus, mon ami. Bye bye les youbels. Ça. Mais un alors? Oh putain! Là j'ai plus de monstres dans mon deck là? Oh j'ai un play gros! Non t'as plus de monstres dans ton deck gros! Wow. Oh j'ai un play gros! Oh j'ai un play gros! What the fuck? Mais en plus j'aurais dû le prévoir que c'était Tempête Inferno! Putain mais je suis un mongol! Mais je suis un ouf moi! Tu veux rigoler ou pas? Non. Attends, il y a combien là? Elle a 1006, oh. Ta merde. Oh putain. Tu veux rigoler? Ouais. Je suis un putain de génie, gros. Je suis un putain de génie. Mais ça fait quoi de f... Ça fait 5000 de dégâts, gros. Mais non! Non! Il est mignon. Non, il a rien. Dispositif d'évacuation obligatoire! Oh, c'est bon, gros, c'est bon! Déjectif, dinomiscus! Oh non! Oh merde! Alors, Zoulou! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Gros, Megamorph sur Shizukiru, gros! Est-ce que c'était pas une dinguerie quand même? C'était pas mal, j'avoue! Je t'ai dit, vraiment, je sais pas faire une seule stratégie dans un deck. Je fais ce truc nul, mais tellement drôle de mélanger tout Zoulou, en fait, il fait que booster ses monstres, ça me tue! Tu sais qu'en plus, si Daruma il était détruit au combat, je pourrais récupérer un bête de guerrier banni! J'aurais pu récupérer Arvata en vrai. J'avais pas encore perdu tous mes monstres. Ça aurait été pas mal. Ouais, très bien. Oh, je vais faire un play.
magnifique. C'est ce qu'on verra. Par contre, t'as compté le nombre de cartes dans ton deck, gros? Ouais, 14. T'as vu le nombre que j'ai? Ouais, ouais, par contre, t'as ok, perdu, ça t'inquiète pas. Ok, oh, oh, tant que tu crois ça, ça me va. J'active ta roue! Ah, tu peux péter ton terrain! Eh oui, mon gars! Ah, quoi? J'avais oublié! Non, j'avais win! Ah, oh, j'avais win! Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais gagné! C'est un aveu de faiblesse, non. Volt! Non, je t'avoue, la vie de ma mère, j'avais gagné. Non, genre, j'aurais tout cassé. Bah ouais, non, mais après, tu lis pas tes cartes. Win. Non, j'avais win, j'en peux plus! Pourquoi j'ai fait ça? Oh, mon cher Volt. Ça n'empêche, j'ai failli t'avoir avec Shizuki Roux et Megamorph, gros, c'était trop bien. J'étais juste trop bien comme play. J'avais un play, il était incroyable. Non, mais t'as craqué devant ma pression, c'est pas grave. Je peux comprendre, je suis impressionnant quand même. Je peux comprendre que j'impressionne. Et il y a 1400 à 1300 quand même. Mais j'avais un play de ouf. Mais pourquoi j'ai pété mon terrain alors que j'avais ça en main, moi? Je suis vraiment un mongolo, hein. Bah, GG. C'est quoi qui a tout détruit? C'est ton terrain, du coup? Mais oui, mais en fait, le terrain, quand il est détruit, il claque tout, il détruit tout le monde. Donc, en gros, des fois, je peux être Yubel comme ça, tu vois. Mais... Dommage. Dommage. Mais j'avais en fait, je voulais faire un play. Normalement, j'ai pioché puissance du mage. En gros, je faisais puissance du mage et je gagnais, tu vois. Ah. Mais en fait, j'avais un autre play qui était beaucoup plus drôle avec la géonateuse. Ah ouais, trop drôle, j'avoue. Ouais, t'es un gamin. Bah si, c'est vrai. Non, mais géonateuse qui prend le contrôle, enfin qui échange. Ouais, ouais. Bah c'est vrai. Ouais. Bah quoi. Non, mais en vrai, c'était cool. Ouais, c'était bien. Vas-y, je prends un autre deck. Moi, je reprends mon Jaden Bebou. Vas-y, prends ton Jaden Bebou. Putain. J'avais tellement envie de troll ce... Oh là, mais c'est ça aussi, à vouloir faire des plays extraordinaires. Voilà ce que je fais aussi. Oh putain. Oh là là. Ah, je suis vraiment un macaque, hein. C'est terrifiant. T'es un peu dur avec toi. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le. J'ai gagné. Tout, j'ai perdu. Very fast. Tu sais que le karma m'arrive beaucoup trop souvent. Tu sais qu'un jour, anecdote encore une fois. Anecdote nulle, mais anecdote. Un jour, j'ai fait un speedrun. J'ai fait. Il y a plus rien au monde là qui peut m'empêcher de faire mon record. J'avais oublié un paramètre, un truc tellement improbable, un truc à la con. Et je me fais niquer mon speedrun sur ça. Oh. Ouais, ouais. Moi, je suis trop fort. Bon, je te préviens, il est un peu fort celui-là par contre. Ah ouais? Ouais. Genre là, on a joué avec notre pipi quoi avant. Ouais, ça m'intéresse pas. Allez, Blazeman! Je vais tuto! Body Meditation! Body Meditation! Est-ce que mes decks t'ont impressionné jusque là? C'est de la merde, pourquoi j'ai fait ça? C'est nul, maman, elle est nulle. Oh là 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 là. Oh, c'est terrifiant. Bon, là, actuellement, il te reste 200 points de vie. Oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, déjà, on va faire ça. Ouah, ça, Cyber Dragon. Ah, je te dis, là, j'avais pas le temps, par contre, vraiment. Ok, ok. Ah, est-ce que je garde ça? Ouais, je pense que je vais garder ça. Ah, merci Gilders pour les 10 subs, merci beaucoup. Ouais. Ouais, je t'ai dit, j'ai pas le temps, moi. Ah, désolé. McKnight. Oh putain, what the fuck. Ah bah j'ai gagné. Ah, je t'ai dit que... Ah non, ouais. Ok. C'est vrai que les McKnight sont...
vrai que c'est stylé, ouais. C'est pas mal. C'est vrai que les dangers. Ah, y'a Kirak, y'a lui. Ah, ouais, sympa, les dangers, les mecs knights, c'est solide. Moi, j'ai mis toutes les cartes pas chères qui se spaient, gros. Voilà, ouais, t'as raison. Voilà comment j'ai fait le deck, quoi. Ouais, t'as raison. Putain, j'aurais pu gagner, mais. Mais non. Ah, là, faut expier. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais là, faut expier, je meurs Sinatrix. Je te jure, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Vas-y. Mais faut absolument que je tape deck Bertinatrix. Reste donc dans cette illusion. Gros, j'ai trouvé une N-trap. Oh, le héros que t'as pas vu tout à l'heure. J'ai trouvé une N-trap de ouf. En rare, gros, je te jure, t'es pas prêt. Ah ouais? Ouais. Et bah j'invoque Prodige Infernal, héros du mal. D'accord, ok. Alors okay. On est surpris. Ensuite, j'invoque Avien, héros des éléments. Ok. Prodige Infernal, héros du mal. Ouais, il se spé gratuit, en fait. Et c'est vu que c'est un héros qui se spé, en fait, bah, ça fait lui. Ok. Quoi? Quoi? Il peut répondre, genre, il a une réponse. Bah, genre, ouais. Il a H. Mais j'ai trouvé une N-trap, gros. Ah, j'y crois pas. J'ai trouvé une N-trap, gros, t'es pas prêt. Ouais, c'est quoi ta N-trap? C'est une N-trap en rare. La seule N-trap que tu peux jouer que je vois. Oh, oh, j'aurais pas dû le mettre ici. Non, mais vas-y, tuto. Ah, je sais ce que t'as. Je crois savoir ce que t'as. Ah ouais? Tu crois? Mais est-ce que t'es dans le vrai? Mais y'a pas 36 000 N-trap que tu peux jouer dans ce genre de deck. Tu joues les Mech Knight. On va voir. Mais du coup, faut absolument que je pose mes cartes correctement. 100% tu joues Tiamaton, ta mère. J'active polymérisation. Vas-y. Vas-y, bébou. Mais non, mais les gars, je vais pas le ridiculiser, je laisse jouer un peu. Ne t'inquiétez pas. Ok. T'as une réponse. Elle fait quoi techniquement. Oui, je te jure, t'es pas prêt. Elle souhaite-t-il le combat. Ok. Poli. Ok, encore. One more. Mec, il aurait tiré toute sa main. C'est le 4K, c'est le 5 cartes combo. Exécuteur Félix Lumineux. Ah oui, c'est le fameux. El famoso. Ah ouais. Ah lui, j'avoue, il est chiant. Ouais, tu dis ça, j'étais là forcément un truc, ça prend. Non, mais il est chiant. Ouais, il est chiant, ouais. Mais après, il gagne son attaque puisqu'il est collier, non? Non, ouais. Il me répond premier degré, il est trop. J'ai répondu premier degré en plus, un connard. Est-ce que j'utilise mon cylindre de magique maintenant? Ah, mais il te reste plus que 2100, donc. Quoi? Zolo. Ah vas-y, j'ai envie de te montrer. Lydia. Balèze. Ah ok, trop bien. Ah ouais, non, il y a ça, c'est vrai. Ouais. J'ai fait de la merde. Mais attends, il s'invoque comment lui? Quand tu prends des dégâts. Ah mais t'as Gorz en main? Non, le Gorz il est pas en main. Attends, en vrai j'ai fait de la merde parce que du coup j'aurais pas dû faire ça. Mon exécuteur Félix Lumineux. Ah du coup je suis pas bien là. Bah 4003 ça va. Ouais mais... Toi-même tu sais. Et ne triquite pas, ok? Ok, je triquite pas. Gorz, c'est rien, sert? Ah, ok. Ouais, Gorz, ça pourrait être très fort hein, s'il était jouable. Ouais, mais non, c'est une SR.
Par contre, Ingénieur, c'est très fort aussi, moi, j'avoue. Il devrait la jouer. Une très bonne carte. Ah, mais j'ai fail. Parce que, attends. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Ok, bah j'ai fail ma combo, en fait. Bon, moi, j'ai carrément fail le létal tout à l'heure, donc ça va, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, tu fais mal, quand même, avec ton truc. Bon, là, j'aimerais bien piocher... Miracle Fusion. C'est pas Miracle Fusion. Exécuteur Phoenix. Héros des éléments. Let's go. Ah oui, j'ai même pas mis mon monstre en défense, en plus. Moi, ouais, tranquille, ça me va, moi. Tranquille. Regardez comment je me sens, Aster Phoenix, là. Le meilleur perso de GX, qu'est-ce évidemment. Qu'est-ce qui me sauve, là? Je te laisse une carte, ça se cache. Je te laisse vraiment gagner celle-là, je te jure, vraiment. Il y a vraiment un truc que j'ai loupé. Non, c'est pas grave, je t'ai déstabilisé, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Bon, après, tu m'as donné la dernière, donc... Bah, c'est pour ça que je dis ça. Oh, j'ai le seum, gros. J'avoue que ce deck est bien en fait. Face à mon exécuteur Phoenix. J'avoue que ce deck il est bien en fait. Hein? Coup trop fort en fait mon exécuteur Phoenix. Mmh. Oh putain, il le passe en défense. C'est un bon joueur. Ok, il me fait un monstre. De l'eau. Oh. Ah ouais, mais je peux pas faire ça avec ça. Ok, je suis con. Je suis con. Battle. J'active le dispositif d'évacuation obligatoire. Ah, ah bah bien joué, gros. Eh, je voulais vraiment te montrer un truc, mais... Oh non. Exécuteur Phoenix, détruis Zulu. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Pendulet de combat, c'est ça? T'es un gamin. Monte ta carte face cachée. Oh non. Ah, du coup t'es pas mort. Oh putain. Hein, ah non, attends, si je fais ça, ça marche pas du coup. Oh, j'aurais dû faire l'inverse. Oh, je suis con. Quoi? Oh, je suis con, ça marchera pas. Je crois que ça marchera pas si je fais ça, on est d'accord, hein. Vas-y, on teste. De toute façon, pire, c'est quoi ça? Vas-y. Putain, je vais pas piocher deux. Ça déclare une attaque directe. Tant que vous contrôlez une ou plusieurs cartes magiques votre zone de mana, vous pouvez invoquer savamment cette carte depuis votre main. Puis détruisez autant de cartes. Et si vous faites, ça fait une sauve point de vie votre adversaire. Quoi? Je vais pas résoudre en premier, j'ai le seum. Non, je vais pas piocher deux avec fragment de cupidité, j'ai le seum. Tout ça pour ça. Attends, mais tu veux juste invoquer un monstre à 3000 là? Ouais, ça va. Sans contrôler une ou plusieurs cartes. Ah putain. Ça va. Ok. Mais est-ce que mon Graal va passer? C'est ça la question en fait. Je crois pas. Ah bah si. Non? Ah si. Ah si. Putain. Mais tu vois, j'avais Graal depuis le début. Et Graal, j'aurais dû le faire sur ton lien quoi. Mais du coup, bah t'as 2900. Bah alors Bébou. Bah Bébou, tu veux plus attaquer? Allô? Ouais, t'inquiète. Bébou. Baby, where are you? Ok. Mind. Bah c'est nul, je vais dévoiler toutes mes surprises de ce deck sur cette première game, mais... 4300! Qu'est-ce que tu vas faire face à Exécuteur Phoenix? Ouais, bah tu verras. Bon, j'avoue, là, ta carte là qui m'empêche de l'étale là, fait chier là. Alors, je sais que t'as jaune en main. Après, l'avantage c'est que tu pioches pas. On va faire ça. Quoi? Ouais, mais c'est quoi ça? Ah.
envoyer tous les monstres. Mais non. Mais quoi? Bah alors? Les autres monstres. Putain, merde. Putain, je te dévoile toutes mes strats, quoi. Aïe. Attends, mais ça va envoyer ton autre truc dans l'idée, mais... Ah, mais ça va envoyer mon exécuteur Phoenix. C'est terrible. Ah, c'est face recto, c'est pas en position d'attaque. Oh merde. Oh ouais, donc ça marche vraiment pas, mon truc. Ah oui, ça marche. Attends, je te montre face recto. Ouais, mais là, ça sert à rien. Putain de chien. Ok, bah tant pis, hein. Oh, je vais la... Oh, mais bah oui, t'as gagné, du coup. Ah bah oui, j'aurais dû l'activer. Je sais pas ce que c'est, ta carte. Bien joué. Ah, putain, je la fais chier. Bon, après, ça va, tu joues un deck héros, c'est mignon. Mais j'ai fait trop de conneries. Déjà, j'ai pas pioché deux avec mon fragment de cupidité. Ah, le Graal, il est terrible. En fait, j'ai cru que mon train, là, niveau 10, j'ai cru qu'il s'invoquait autrement. Et du coup, okay. Bon. Allez. Attends, je peux peut-être jouer un autre deck encore. Comme tu veux. Je sais pas si je vais faire un BO3 de ce match-up. Ah, on peut comme tu veux. Bah, vu qu'on va faire un BO3 de chaque truc à chaque fois. Allez, vas-y. Bah, du coup, moi je joue en deuxième. Je pense que j'ai plus de possibilités en deuxième qu'en premier. Mais tu vois là, en gros, mon deck, celui que je viens de te jouer, j'ai mis vraiment les plus gros tons possibles qui se spé auto contre. Ouais, en disant, il y a pas grand chose de l'extra qui est puissant en fait, j'ai l'impression. Exactement, c'est pour ça que Yubel est vraiment fort, je trouve. Bon, on l'a vu. Faut accepter, je crois, non? Tu t'as pas accepté. Moi j'ai accepté, c'est là c'est en train de marquer connecting, je sais pas pourquoi. Ah, attends, il y a une erreur de serveur. Vas-y, je relance. Je remonte la decklist héros tout à l'heure, je l'ai montré tout à l'heure. Ah ouais, moi j'ai pas montré mon toon. Putain, mais je pensais... En vrai, à un moment, j'ai vu, quand j'ai pioché Tempête Inferno, je me suis dit, wow, trop bien. Et puis après, je me suis dit, mais attends, je vais pas gagner en fait, parce que je vais jarter tous ces monstres, mais il a encore ses pièges qui s'invoquent comme des monstres. Et ça, c'est m'inquiétait. Non, mais si j'avais pas fait de la merde avec mon terrain... Et surtout, par-dessus tout, t'avais encore T'avais encore des monstres sur le terrain et je me suis dit comment je les gère quoi. Ouais, de ouf. Bah, je l'ai après, fait j'avais pioche de défense qui aurait pu me faire tempo et en plus piocher. Bah, c'est pour ça en fait, j'ai voulu péter avec l'autre là, mais en fait, j'avais pioché. J'aurais pu juste faire puissance du mage, péter avec le Link, partir sur Géonateuse et c'était bon. C'est ça le plan de base. Tiens, des cartes face cachée. Alors, je vais pas te mentir, frérot. Ouais. J'ai vraiment une excellente main. C'est très rare, mais j'ai vraiment, je pense, la meilleure main, l'une des meilleures mains. Tu commences par Storm là? Là, j'ai Lightning Storm. Prodige Infernal, héros du mal. On dirait mes viewers quand je fais des duels à thème avec eux. Les gars, on joue qu'avec des communes. Le mec, il commence, pot d'extravagance. Ouais, super, les gars, vraiment un kiff. Hein. Bon. Non, mais vas-y. J'invoque Céleste, héros de la destinée. Comme tu le connais. Lui, c'est vraiment la clé centrale du deck, hein, vraiment. J'avoue. Extra Hero. Oh, mais ouais, y'a Graal. Bah, c'est ouais. Vraiment horrible. Bah, ouais, mais j'ai des cartes face cachées, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, elles sont là pour t'embêter. Ouais, ça va, oui. Je buff ton monstre, sois content. Trop bien, vraiment. Tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, toi? Ah, je suis trop heureux. Bah voilà, bah là, ma main est briquée maintenant. Putain, ah, j'ai le seum. Ça va, gros, ça va. Ça va, gros. Quel enfer. J'avoue que Graal interdit, peut-être que faut que je la mette. Ouais, peut-être que je la mette, ouais, j'avoue. Ah, c'est super. Vraiment. Pas mal, ouais. Hop là.
Oh non. Ok. Bon, tu sais qu'il va revenir. Ouais, si je te tape. Quoi si tu me tapes? Bah, je peux te tuer d'un coup. Respecte-moi un peu. Oh, Cyberdé. Donc là, t'as si bien des tragédias, des cartes. Merci, oh, Zod. Ça faut que je fasse un héros, là. Ouais, genre pas ça, quoi. Putain, mais j'ai trop le seum, j'avais vraiment la meilleure main du deck, là. Putain, j'en peux plus, moi. En vrai, je pense vraiment que dans ce mode, il y a tellement de... Tu vois, je sais pas s'il y a un deck qui va tout écraser, quoi. Avec la banlist et tout. Non, et du coup, il y aura à chaque fois match, tu vois. Mais ça, c'est cool. C'est impossible. Il y a pas de game breaker en deck, je pense. En fait, là, avec hommage dispositif que tu peux jouer partout, déjà, je pense qu'il y a aucun deck qui arrive à survivre à ça. Donc. Oui, c'est vrai. Métalphose. Ah ouais, Métalphose peut être trop fort. Regardez. On a le temps. De ouf. On a le temps. Oh non. Mais tu... Vraiment, vraiment, c'est ma win condition qui reste sur le terrain pour l'instant. Trop mignon, quoi. L'horreur pour le type. À chaque fois, il me renvoie un monstre, il revient. De chez moi. Aéro, putain. Ah. J'invoque Céleste. Ok. Ah tu vois, je vais jouer une carte et tu diras ah ouais, elle est bien aussi celle-là. Bon bah go hein. Ah oh, si je me reprends un Graal vraiment c'est trop. Non. Oh, vent perdu. Ça là j'avais pensé déjà de base. Oh putain, quelle horreur. Quelle horreur, parce que vraiment je pioche vraiment mes zéro monstres quoi. Par oh là là, c'est trop. Après 850 d'attaque, ça va. Ouais, c'est bien. Putain, c'est gouttelette le truc. Negate effet et divise par deux l'attaque, trop fort. C'est gouttelette. Tu la joues pas du coup? Non, je joue pas moi. C'est vrai que je pourrais la jouer. Bon, du coup, t'as win condition là. Ah bah ouais, là je me fais fumer. J'en ai marre. Après ça va, j'ai pas une sortie, enfin comment dire, une sortie explosive en termes de dégâts quoi. Elle est pas trop mal en termes de contrôle mais... Doro. Putain, c'est je suis fort, mauvaise... ça, quand même. Je suis en mauvaise posture. Ah bah c'est maintenant que t'arrives toi. J'invoque Burst Matrix. Ok. Vas-y. Je pose deux cartes face cachée. Et j'active Céleste. Il a un effet lancime lui? Oui, le bannir avec un héros, la destinée et piocher deux cartes. Oh c'est trop cool. Ouais mais c'est pas le tour où il a été envoyé et il faut pas que je contrôle deux cartes en main. Tout le monde le joue ah, en ce moment avec des PE là. Ah. Ah ouais les gens ils jouent ça avec des PE putain j'avoue. En vrai c'est cool hein. Pas mal. Parce que des PE pas tu mal. Peux... Tu peux l'utiliser pour faire des PE lui. Ouais, c'est un héros la destinée. Ok. C'est un héros la... Des PE c'est héros la destinée plus un monstre héros la destinée niveau 5 ou plus je crois. Donc en fait tu fais avec malveillant, plasma ou en général dasher. Dasher, ouais. Polymerization. Ok. Le problème du deck héros, c'est que c' 'est marrant, mais bon, 3 cartes pour en faire une, c'est tellement pas rentable, quoi. En fait, recycle après, donc c'est là où c'est fort. En fait, c'est dès l'instant où t'as au moins commencé à faire un héros, là tu peux commencer à faire les trucs, mais j'avoue que ouais, c'est un peu c'est fatigué, quand même. Ah, tu veux faire 20 perdus. Marrant. Marrant. Marrant, mon pote. Ok. Changement de forme. Ouais. Oh,
Ah mais je vais avoir tellement à affronter là des MP la face cachée, c'est horrible. Alors, tu es perturbé ? Tu ne sais plus quoi faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire en fait ? Je comprends pas ce que tu veux faire. Renvoie dans l'extra ! Merde ! J'ai mal vu ! Oh tant pis. Oh non ! Tu pensais quoi ? Je pensais que ça l'envoyait au cimetière. Ah oui, 2004 ton truc. Oh, du coup, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah, battle. Y a qu'une carte que je trouve vraiment cool dans les extras. Oh putain. Ah bah ouais, mais ça, c'est le problème de héros. Mais du j'aurais coup. Dû. Ah, mais là, j'ai encore mal joué du coup, parce que j'aurais dû faire avant. Tac, ouah, vas-y, j'en ai marre. Ah, vas-y, j'en ai marre de pas connaître mes cartes, là, ça me rend ouf. Vas-y, je pose un. Et on va faire ça, du coup, on va claquer toutes nos ressources, mais bon, vas-y. De toute façon, t'es plus en battle, déjà. Le revla, lui. Ouais. Ouais, bon, j'avais réfléchi à un autre truc, mais c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Non, mais oui, d'accord, mais t'as pas vu ce que je voulais faire, Sky. Il y avait un autre move à faire qui était intéressant s'il partait au cimetière, mais j'ai mal regardé, c'est la carte. Coucou. Lui il dégoûte. Ah, j'en ai trop marre. Ah mais jamais je pourrais win contre ce machin. Là t'as trop de ressources dans ton deck, t'as trop de power card là. Ah et en plus je me vraiment là lui là il s'est pris tout là, vent perdu Graal là. Ouais. Faire. Ah ouais, c'est clair. En vrai je pense que je commençais la game, j'étais trop bien. Ouais, tant pis. Après, c'est pas si fou, tu vois, ce que je vais faire. C'est pas si fou, mais... Elle fait quoi, elle ? Elle buff tout le monde. Toutes les cartes sur mon terrain gagnent une attaque et une défense équivalente à la différence entre nos deux points de vie. Donc ça peut être très, très fort. Mais là, du coup, elle est à zéro, tu vois. Donc c'est un peu moins fort. Par contre, à chaque fois que tu vas spé un monstre, je vais t'infliger 600. D'accord. Ok. Mais là, je vois pas comment je gagne en fait là, parce que là il me faut trop de trucs encore. Non mais là avec zéro carte en main, je pense que c'est ingagnable. Bref, ouais, je vais faire ça, je pense. Ah, en fait, ça dépend ce que t'as en main quoi. J'ai rien en main. Ouais, mais bon, si tu chopes un monstre, là, tu battles, tu pètes mon monstre. Quoi. Ouais, mais là, ça fait rien. Là, du coup, ça fait plus rien, du coup, elle va avec ça. Et elle gagne 200 d'attaque, 200 de défense pour chaque monstre, pour chaque 200 de défense fois le rang de tous les monstres X's que je contrôle. Et à chaque fois que t'actives une magie ou piège, tu te burns de 600. Ok. Mais en fait, la première araignée, gros, moi je la joue dans mes decks rang 10 avec mission, tu sais. Tu sais, tu fais mission, paf, oui, tu oui, tapes, oui. Tu fais l'araignée, elle a déjà 4000, elle buff tous tes monstres de 4000, gros, c'est fort. Bon, déjà, j'ai bien fait de faire mon truc.
À toi. Putain, ouais, c'est dur. Hein. Non, mais là, y'a pas d'âme des cartes, hein. Y'a aucune one card combo dans mon deck, en fait. C'est ça le problème. Ah oui, attends, les deux tarentules, elles ont un effet aussi. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel, détruire tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire avec une défense inférieure ou égale à cette carte. Et la tarentule, elle fait la même chose, elle détruit tous les monstres de ton adversaire qui ont une attaque inférieure à son attaque à elle. Mais que pendant ton tour, quoi. Ce qui rend le truc pas mal fort, quand même. Là, je peux faire ça. Là, tu pètes mon monstre, là. Là, je peux péter ton monstre. Ok. Moi, il y a une carte qui m'aiderait bien, mais... Ah, même pas, en plus. Putain, j'ai même pas assez. Putain. Je sais pas ce que je suis censé faire. J'avoue, j'aurais dû jouer beaucoup plus safe tout à l'heure. Putain. Pioche Bubbleman. J'ai pas Bubbleman. Salut, Vince. Ah oui, j'avoue, Bubbleman, là, dans ce... Ah putain, ah, non, là, j'ai rien, je peux rien faire, là, je vais juste passer mon tour indéfiniment, hein, j'ai plus rien. Merci super babouche. Extra il est parti, je peux plus faire ma link, mes héros sont partis, mais j'ai aucun moyen de... En fait, à moins de piocher 10 cartes, je pense que j'ai aucun moyen de remonter, quoi, genre vraiment... Yes. T'as la slim qui est une carte que j'adore maintenant depuis Master Duel. Tu elle permet d'invoquer le gros à 3000, là. Ouais. Le slime métallique. Bon, après, elle permet de faire ça aussi. C'est un peu moins... Un oui, peu moins oui, ouf, oui. Hein, mais... Ouais, on est dedans, ouais. Tu joues du moteur de pioche héros... Hein? Tu joues du moteur de pioche? Ah non, mais moi, c'est un giga des collines, hein, c'est... Okay. En fait, le moteur de pioche, techniquement, tu veux les héros, mais le héros, tu vas aller chercher avec la ligne 2, en fait. Et bon, vu que ça se prend vent perdu et Graal, bon... Moi, dans tous mes decks N et R, là, j'ai mis Fragment de Cupidité. En fait, vu que c'est des decks un peu contrôle, je me dis, bon, bah, c'est pas déconnant, quoi. Il y a une carte dans mon deck qui me remet bien, ouais, mais bon... En vrai, j'ai bien fait de mettre cette tarentule, hein. Mais l'autre, elle est tellement mieux, quoi. Mec, je peux te dire que là, bon, je sais pas, il y a 1100 d'écart, tu vois. C'est-à-dire que mon cyberdragon, il aurait été à 3200, tu vois. Oui. Enfin, ça va vite. Tout va très très vite, quoi, avec l'autre. Qu'est-ce qu'il faut que je te pioche, là? Ouais, pas ça, genre. Putain, je peux pas jouer. C'est trop chiant. Oh là, je suis dans une boucle, là, je peux pas jouer. Ouais, bah quand t'es au top deck avec un deck héros. Ouais. Hop là. Le petit pot. Ouais. Oh, je joue ça dans celui-là. Oh, trop fort. Trop fort. Souvent, c'est pas ce que t'as envie d'entendre de la bouche de ton adversaire. Mais... Par contre, il y a un truc qui va être fort dans le format. C'est que je trouve que les trappes sont très fortes. Ah, et il n'y a aucune carte qui gère plus de 2 MP, quoi. Enfin, en gros, il n'y a pas de bon MP removal, quoi. À part ça, je connais pas. Hey, les drôles. Oh, ouais, mais bon. Il y a un vent perdu, quoi. Fait chier. Bah bon, c'est jouable. J'active Fusion Miracle. Non, tu perds 600 déjà. Mais si tu veux. Super. Ah, il y a les trois au cimetière. Oh, let's go. Hein? Ah oui, il y a lui au cimetière. Exécuteur Phoenix Lumineux. Aïe. Là, je vais me prendre avant perdu, quoi. Ah bah... Ou un dispositif, ou un hommage, ou n'importe quelle carte. Trop de trucs, quoi. Bah ouais, mais bon... Désolé, aïe, gros. Aïe. En vrai, le terrain... Ah, mais j'avais ça face cachée. À faire un harpie en commune est rare.
Faut que je le tente. C'est mon dernier move. J'active changement de forme. Ah, pas mal. Pas mal. C'est mon dernier move, Zulu. Je sais que je vais perdre avec toutes tes MP, mais bon, au moins, j'aurai joué jusqu'au bout. J'invoque un héros que personne n'a encore jamais vu. Je vous présente Koga. Ah, je le jouais... Oula. T'as tes points de vie, par contre. Pas grave. Hein? Ah, c'est chiant, Koga. Je pose une carte face cachée. Et la puissance du mage. Oh putain! Oh putain! Qui te fait perdre la puissance du mage, on est d'accord? Hein? Pourquoi? Pourquoi ça me ferait perdre? Je persiste sans surco. Mais j'active une carte magique! Mais sur la table! Tu m'as pas dit dès que j'invoque spé? Non, c'était l'autre! Elle, c'est dès que tu oh joues une carte magique! Oh bah lol, merde! Oh bah j'avais pas vu! Gros! Moi j'avais pas vu. Bah en gros, je faisais ça et en gros, je faisais perdre de l'attaque et après je battais. Bah j'avais pas. Ah ok, j'ai pas lu, ok, my bad. Ah bah ouais, bah lol. Dommage. Dommage, je monte à 4005. Ah, ouais, je pensais pas qu'elle allait être efficace. Dans ma tête, c'était ah oui, déjà Vox P, je perds. Pour le coup, je suis vraiment sûr de te l'avoir dit en plus, mais t'as pas fait c'est normal. Possible. En même temps, dans un duel comme ça où tu rencontres plein de fois des cartes que tu connais plus, J'avais vraiment l'impression de perdre des dégâts dès que j'invoquais mes monstres en fait. C'est pour ça, c'était très bizarre. Bah, c'est parce que tes cartes magie te font un Vox P en fait. Oui, c'est pour ça. Oui. Oh non, dommage. Bon, bah tant pis. Bon, c'est rude. Est-ce que j'ai un dernier deck, après il est moins fun. Il est fort, c'est ça? Il est fun ou fort? Enfin, comme tu Il est fort sur une stra... Franchement, je pense qu'il est très très bien construit. Bah vas-y, je prends mon Yubel. Et comme ça, on si prend tu nos, veux, si tu veux. Notre théoriquement meilleur deck. Mais tu comprendras en fait pourquoi j'ai hésité à te le jouer, tu comprendras. Vas-y. Tu prends ta decklist héros, je la montre après, ouais. Tu vas comprendre la mécanique. J'espère que tu prends. Ah ouais, mais non. Ah si, peut-être. Tu vas comprendre. Non, c'est que j'ai pas gagné un BO3 depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Je suis en train de me rendre compte. Ah. Tu gagnes pas un BO3 depuis tout à l'heure. Tu fais que gagner les matchs. Hein. C'est terrible. C'est... Écoute. Bon, faut peut-être que je me concentre et que je lise les cartes aussi. Mais j'ai la flemme de lire les cartes. Que ils sont longs, là. Ça, c'est vraiment un truc ouais, de l'oubli. Non, mais je comprends. Après, il y a un BO3 que tu m'as donné, hein, clairement. Ah oui, ouais, le BO3 du Bell, ouais, je te l'ai donné, j'avoue. Ah, tu commences, ok. Ouais. Ouais. Bon, les gars, je vais vous faire honneur, on va réfléchir. Et on perdra on pas. On va réfléchir. Non, on va lire les cartes déjà, ce serait pas mal. Bon, je te dis, mon deck est imbattu par contre. Ok. J'ai fait un duel. C'est pas mal. Pas mal. Et non, mais... du roi du feu. En vrai, quand tu vas comprendre la mécanique, la vraie mécanique du deck, tu vas dire, ok, pas mal. J'espère. Si tu vas peut-être juste dire ça pue la merde, hein, c'est possible. C'est possible. C'est largement possible. Moi, je pense que Fragment de Cupidité est une très bonne carte dans ce format. Possible. Oula. Mais en fait, c'est fort que dans deux tours, du coup, c'est peut-être deux briques en main directement. Quoi. Ouais, c'est vrai. J'invoque Yubel, terreur incarnée. C'est vrai. Et j'invoque l'explorateur planétaire. Ok. Battle. Allez, vas-y. Tu tapes pas avec le deuxième? Je peux pas. Je peux. C'est quoi cette voix de Mickey que tu fais d'un coup? Je sais pas. Wouhou! Alors, petite info, sache que si cette carte face recto dans la zone terrain est envoyée au cimetière ou bannie, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Allez, ça suffit. Voilà, c'est l'effet de ton terrain, d'accord? Ouais, bah si je le fais, c'est fort, parce que ça invoque le gros Yubel, donc ça va, on arrête les bêtises maintenant. Putain.
me fait troller, quoi. Waouh! T'as deux compteurs. Ça va vite, hein. Ça va vite. On est bien, on est bien, on est bien. Bon! Putain, mais quand tu vas mettre ton Yubel à zéro d'attaque et que tu vas vouloir m'attaquer, putain, je vais être... Je vais être tout émoustillé. T'as vu? Effet! C'est Mickey, gros. Le titre de ma vidéo YouTube, ça va être « Je joue contre Mickey !» Je détruis Yubel Terreur Incarnée pour invoquer... Enfin, d'abord pour tuto. Pour invoquer... Yubel! Cauchemar Ultima! Oh! Yugi! Ok. Je l'équipe à puissance du mage. Ah, c'est ça ta combo! C'est pour ça que tu joues puissance du mage. Après, puissance du mage dans le format. Ah, c'est fort sur tous les monstres, donc en vrai. C'est pas mal, hein. Ah, 1500 quand même. Ah, oui, ça prend la magie de terrain. Ah, ouais, ça commence à ressembler à une sauce là. Sauce magique beau gosse, gros. Je vais me prendre un vieux dispositif, c'est ça la blague. En vrai, j'aurais dû garder Terreur Incarnée, je pense. Moi, je joue autour de dispositifs, j'avoue, j'ai pas réfléchi. 1008. Ah mais attends, mais tu vas mettre 1008 en fait. Ouais aussi, ouais. Au lieu de prendre 1005, je prends 1008 quoi. C'est vraiment nul à chier quoi. On prend tous les deux 1008 en fait. Ouais, ouais, mais bon, je préférais prendre juste 1005. Ouais, après, je te descends un petit peu. Prends. Attends, j'ai pas pris 1008 ? Ah mais non, bon, c'est un piège. Non, c'est pas ça. Ah si ? Ah, si cette carte en position... Attends, quoi ? Il faut que je détruise par un effet, je crois. T'es sûr? Parce que moi, c'est... En fait, non, faut qu'elle ait combattu. Faut qu'elle ait combattu, en fait, je crois. Enfin, la dame, j'ai cette carte en position d'attaque face recto. Je crois qu'il faut qu'elle ait combattu le monstre, mais qu'il faut que le monstre... Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Bon, bref, tant pis. Après, peut-être que c'est parce que c'est un piège, ouais. Peut-être que ça marche pas que c'est un piège. Ouais, c'est possible. Bon, bah, on va draw 4, hein. J'avoue. Bah ouais, parce que j'ai joué avec deux cartes en moins depuis tout à l'heure, mais... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci, merci. C'est ça, la stratégie? Piocher des cartes? Pas mal. Pas mal, pas mal. Il a fait plus 4. Solide. Et ça... Bon bah vas-y, on va faire ça. C'est quoi ton deck là? Ouais, tu poses que tes cartes face cachée, tu pioches des cartes cachées. Oh, ça va ton deck est de liche. Ouais, je sais, c'est pas si fort. Moi après, je vais. Vas-y, je vais faire ça quand même. Ah, oh, quoique. Vas-y, je vais le faire quand même. Vas-y. Un kaiju? Oh, mais il joue que des kaijus dans tous ses decks. Ouais, ouais, je suis désolé, je suis vraiment un enfoiré moi. Ah, oh, waouh! Bah après, je pioche beaucoup donc. Hop, et on va battle ton monstre. Oh, quel enfoiré. Disposition obligatoire. Ok. Ah, mais c'est ça qu'il faudrait que je remette dans ce deck. Des kaiju, des dispositifs pour récupérer mes kaiju. C'est fort. Pff.
Ok. Ok, ok. Tu me diras si tu connais mon... la synergie que je vais te montrer. Bon, je pense. Ok, j'invoque Tomato Mystico. Mystico. On va activer ça. Fais gaffe, si tu détruis ton terrain, ça détruit tous tes monstres. J'en peux plus. Fais gaffe, hein. Ouais, fais gaffe. Fais gaffe, hein. Hey, battle! À la fin de la main phase. Mmh. Est-ce que tu connais? Oui, je vois ce que c'est. Hein. C'est les inclus de toute façon, par les effets au travers de ça. Ok, je vais pas la cibler par les effets de carte. Ok, en gros, tu joues avec des monstres pièges. Ouais. J'avoue, je vois pas où tu veux en venir sur ces trucs, mais... Ça fait quoi, ça, en gros? Faut cibler une carte détruisée, là. Ah. En gros, à chaque fois que je spé un monstre, un piège qui est un monstre, je peux détruire une de tes cartes sur ton terrain. Oh, pourquoi j'ai pas détruit le truc roi du feu, gros? J'y ai pensé. Oh, on va le faire, hein. Ah non, je suis déjà dans une chaîne, ça marchera pas. Ah, c'est une fois par chaîne? Ah bah oui. Je sais pas, mais je crois. Si, là c'est une fois par chaîne. Ok, bon, t'as détruit mon monstre, c'est bien. Bah on est content. Ah, j'ai fait le con, putain. Continue la main phase. Oui. Je t'expliquerai le but du deck après. Parce que là, t'as pas tout vu encore. T'as peut-être compris. Ah, oh, j'arrive à faire un truc, mais c'est pas fou, quoi. Putain. Vas-y, on va le tenter, hein. Qu'est-ce que tu fais, Volt? Je réfléchis. Bon, après, là, c'était vraiment un deck tryhard, hein, du coup... En fait, jamais il arrivera à crever, donc en vrai, ça sert à rien de la garder. Mais dans un sens... Tac, tac... Voilà, ça sert à rien, en tout cas. Shokan! Oula. Péché malveillant! Ah... Ah merde. Ah merde. Et un autre, fais chier. J'avais oublié qu'elle avait un effet, ton monstre. Forcément. Ouais, j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais... Ouais. À toi. Ah, mais ça me fait chier, j'arrive pas à te montrer ce que je veux. Fais quoi ça? Ça revient, hop là. Oh waouh. Ça c'est intéressant. Oui. En effet, ouais. Ça c'est intéressant. Ah, c'est vrai que j'ai lui, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Je fais le tuto. Ah, mais là, ça va commencer à être compliqué, là. Hein. J'ai pas que c'était mes Youbel, là.
Oh waouh. Pas mal. J'arrive pas à avoir accès à ce que je veux. En fait, moi, vu que mon deck il est lent. Ouais, ça me laisse. Ça me laisse jouer. Ça me laisse jouer de ouf. Ah, c'est pas ça qui va m'aider. Bon, vas-y, je pose. Et à toi. Mais tu sais, la statue, je me dis, dans quel monde c'est intéressant de la jouer dans Edlish, tu vois. Mmh. Bon, après, je pense pas que ce soit très intéressant, parce que, en gros, t'auras un conquistador qui pète deux au lieu d'un, mais... Ouais, c'est ça, c'est jouer une brique pour rien, je pense. En fait, le deck fait tellement mieux que de base. Ouais, c'est comme si t'avais conquistador, quoi. Ah ouais, tu vas péter ça. Ouais, bah, ouais, hein. Non, je peux pas le cibler dans un peu de cas. J'avoue que le Garna Cyberombre qui revient à chaque fois. Là, t'as une destruction à chaque fois en fait, c'est ouais. Terrible. Alors, par contre, je peux le spé que pendant ton tour, que pendant ta main phase. Ouais. On va y aller, je crois. Ouais, je prends un risque. Ah, quoi que. Oh, putain. Alors, bah, toute ma stratégie, elle est injouable avec des kaijus partout. Là, ça casse la tête un peu plus. Ah, putain, les kaijus, c'est trop fort dans le format. Je suis d'accord, les kaijus, ça va être n'importe quoi dans le jeu. Alors attends, ça. Quoi? T'as pas encore Tempête Inferno quand même? Bah si. Bah si. Je joue que des. En fait, je joue que des. En fait, c'est les mêmes decks à chaque fois en fait! Mais en fait, tout à l'heure, je devais pas te le faire. Mais là, j'ai très peu de monstres. Et tous mes monstres sont des pièges en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est super fort en fait. Enfin, super fort. En vrai, j'aurais pu gagner 100, là, je pense. Mais... Mais du coup, techniquement, là... Position de défense... Ah, je peux plus gagner, là. Bah, là, je pense pas, en fait. Et en vrai, je me dis, c'est du génie, mais en même temps, j'arrive... C'est chaud à mettre en place. Est-ce que j'ai pas déjà gagné au moment où je fais Tempête Inferno, en fait? C'est la question que je me pose, quoi. Est-ce que je vois pas jouer le même deck, mais sans les Kaiju et sans Tempête Inferno? Impossible, ouais. Mais sur la mécanique? Ah oui, parce que t'as des monstres encore... Ah oui. J'ai encore des monstres à la main, quoi. Ouais. J'avais oublié ça. Ouais, donc c'est même pas si... En vrai, je pense vraiment... Juste jouer le deck en mode piège contrôle avec les pots de sorcellerie et les les fragments de cupidité, là je pense que c'est suffisant en termes de contrôle et de... Après faut voir dans le jeu le nombre de cartes PTMP qui existent, parce qu'en fait comme tu dis les pièges sont trop forts dans ce format. Donc si il y a trop de PTMP, en fait je pense que s'il y a trop de PTMP, en fait il y a Typhon qui est jouable mais après je sais pas ce qui est jouable en fait, donc à voir. Mais je pense qu'une armée de PTMP, ça peut te faire chier, tu vois. Je sais pas. T'en as deux poussières. Ah, deux poussières ? Ah, y a Typhoon aussi. Pas mal, ça. Peut-être fait une connerie. Je pense vraiment que dans le format, les traps vont être vraiment trop forts et les kaiju également. Genre, moi, dans ma version Yubel, là, si je mets beaucoup plus de PTMP, je pense que je suis trop bien, tu vois. Ouais, après, on verra ce qui sera fort, mais... Après, je pense que ce sera comme le Festival Xyz, hein. Moi, j'ai pas trouvé que... En fait, déjà, il n'y a pas de ladder de ouf, quoi. Donc... Non, de ouf.
Donc en gros, y a pas vraiment de niveau. Oula. Attends. Je fais une X6 4. Je te présente le Hearthland Drago. Oula. Il peut attaquer directement tes points de vie. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh non. Ah bah, là, si tu mettais l'engine Neftis dans Yubel, ouais, je pense que là, le deck de Zul, il était cassé, ouais. Mais j'aime pas me jouer le Phoenix de Neftis, moi. Enfin, pour ma stratégie, mais j'aime pas. Mais il est en rare? Ouais. Ah. Et en gros, avec l'engine Neftis, en fait, j'invoque Phoenix à chaque tour et en fait, t'as plus de magie pioche. Bah, c'est bien. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que j'étais parti d'un principe que moi, je voulais jouer Yubel avec uniquement l'île du Roi du Feu pour péter et plein de trappes. Mais en effet, peut-être que la version de Neftis est meilleure. Après, à voir. Je sais pas. Le problème, c'est que t'as aucun Neftis qui est jouable, en fait. Ils sont tous nuls. Aïe! Du coup, alors, ça, si je lis bien... Détache, et je peux attaquer directement. C'est parti. Ah, t'as trouvé une façon de me contrer, c'est beau. Ouais, tu dis ça. Mais... C'est vrai que tu commences à connaître la chanson, mon pote. Il a 3-4 faces cachées, il veut me faire croire, tu sais, que j'ai gagné. Je suis mort. Battle, attaquer au travers ça directement, oui. Je rigole. Ouais, alors j'ai rien, cette gros. Carte... J'ai rien, si t'as cette gagné. Carte est très... T'as gagné. J'ai la paléo tout à droite, mais j'ai pas de carte à défausser pour l'activer. Attends, pourquoi ça redirige l'attaque, là? Hein? Quoi? Hein? Il se passe quoi, là? Attends, pourquoi ça redirige l'attaque? Il se passe quoi, là? Oh, c'est la malédiction. Hein? C'est à cause de quoi, encore, ça? Putain, what the fuck? Je sais pas. What the fuck? Spectrozoma, quoi Spectrozoma? Bah, y'a rien! Cette carte, je comprends pas. Pourquoi ça redirige mon attaque là? Non, mais j'ai pas envie d'activer ma carte face cachée, les gars! C'est pas censé rediriger! Je sais pas ce qui se passe, gros! Non, mais c'est n'importe quoi là! Comment ça redirige? Ah ok, spécialement cette carte machin, tant que cette carte est un monstre à effet, si une autre carte piège qui est un monstre combat un monstre adversaire après le calcul de dommage, ok donc ça y a rien. Si cette carte invoquée de cette façon détruite infligé de dommages égaux, et mon dragon, c'est mon dragon en fait qui fait de la merde, tant que vous contrôlez une autre... Volt, un peu déçu de ton niveau quand même. L'autre piège en attaque, mais quoi l'autre piège en attaque? Tant que cette carte est un monstre et un monstre à effet... Mais ça n'a aucun sens. Non, y a rien, gros. J'ai cassé le jeu, c'est tout. J'étais là, je voulais pas perdre, gros. Ah, Ripley, voulez-vous continuer à attaquer? Bah, oui. Directement, oui. Ah non, mais c'est que c'est le jeu qui fait de la merde et qui redirige indirectement. Ouais, non, mais d'accord aussi. Ouais, oh, tu m'as fait peur, je sais pas compris. Ah, j'ai flippé, j'en pouvais plus. C'est juste l'affichage du jeu qui fait de la merde, d'accord. J'ai pas compris. Bon, j'étais en mode bêta, mais... Merci, bah, parce que grâce à toi, je sais que mon deck... En fait, je vois pas jouer Tempête Inferno. C'est vraiment une connerie, tu vois, de me dire... En fait c'est beaucoup de setup pour pas forcément gagner automatiquement. Ouais, en fait, mathématiquement, en fait, ça me demande de me commit beaucoup trop. Et je pense que ça me fait gagner dans les games où je gagne déjà, en fait. Parce que la thématique de dire j'ai aucun monstre dans mon deck, c'est que les cartes pièges qui deviennent des monstres et qui tapent et qui me font gagner... Et si j'enlève tous les monstres de mon adversaire, bah, il peut plus les jouer, et du coup, je suis gagné automatiquement. Ouais, c'est pas con. Mais en fait, le deck est tellement fort en lui-même que je pense que je peux enlever les Tempêtes Inferno et juste me mettre très très bien, quoi. Ouais, je pense que ça suffit, ouais. Bon, le deck héros, c'était ça, les decks, mais je pense qu'on va le changer, le deck héros. Je pense que je vais le changer. Genre ça, je pense que c'est jouable en plusieurs fois, ça peut vraiment être pas mal. Ça, c'est un pot d'avarice en meilleur, quoi. Bon, par contre, j'ai fait une connerie, hein. J'avais vraiment... En fait, j'avais qu'une seule interrupte, c'était ma Paléozoïque. Et j'ai voulu absolument jouer
mon fragment de cupidité qui me permettait de piocher deux. Et du coup, j'avais plus d'interrupt. Et... Parce qu'en fait, je me suis dit, bah attends, il a plus de monstre, donc c'est free. Mais j'avais oublié que t'avais tes monstres dans la main encore. Donc je me suis fait avoir, quoi. Il me restait, ouais, il me restait que 3 monstres dans ma main. Mais en fait, tu sais qu'en fait, je les avais tuto avec l'île du roi du feu. Mais ouais, 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 en effet, ouais. Bon, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on fasse un truc ou on fasse un duel classique ou... Je vois juste aller pisser déjà. Gros, j'en peux plus. Vas-y, bah, vas-y, attends, vas-y. On m'a dit, regarde Witchred Hero Vision, est-ce que tu connais? Oui, oui, je la connais, j'ai voulu la jouer au début. Et c'est vrai que ça peut être très, très, très fort, ouais. Attends, je vais aller regarder. Witchred, en fait, c'est un monstre qui peut s'invoquer par sacrifice en sacrifiant des magies pièges et elle flingue tous les magies pièges de l'adversaire. Hein? C'est vrai que c'est très fort, ça peut être vraiment une staple partout en vrai. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez détruire tous les magies pièges contrôlés par votre adversaire. Regarde comment elle s'invoque. Regarde comment elle s'invoque, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs pièges que vous contrôlez. Oh, c'est trop fort. Ah, ouais. Witchred, elle est incroyable. Mais ça, c'est dans tous mes decks, c'était, gros. C'était une carte trop forte dans Duel Links aussi. Elle est où la Witchred? Héros. Attends, faut que je trie. Voilà, j'enlève Tempête Inferno. Je joue ça. Je peux enlever Pendule. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est ça, c'est Witchred, elle est là. Wow! Il faut que je teste ça en gros. Alors, c'est que par des pièges. Ouais, c'est que par des pièges. Bon, je reviens, je vois trop pisser. Raconte une histoire. Ouais. Mes amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de mon deck héros qui, à mon avis, n'est pas ouf. Et voilà. Mais en vrai, le deck Yubel, par contre, il est pas mal. Après, je pense vraiment dans le format. Ce qui va être cool, c'est vraiment jouer des pièges et des gros monstres en fait. Hein. Faudra vraiment pas se casser la tête, hein, les gars. Je pense que vous faites n'importe quel truc avec des pièges et des gros monstres et vous pouvez gagner. Après, avoir la banlist, comment elle va être, je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de comment la banlist va être. C'est marrant qu'ils aient bien anticipé le fait que Spectre Spiral, ça pouvait être trop fort. Les Tenny aussi, c'était marrant, j'y avais pas pensé, ça peut être vraiment incroyable. Mais bon, voilà. Tu sors Dark Planet et c'est GG. Dark Planet ? Ouais, Dark Planet. Je sais pas ce que c'est. Mais en vrai, les héros, moi j'aimerais... En vrai, là, le deck, je l'ai fait vraiment très rapidement, le deck héros que j'ai joué. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, je pense. Seigneur Lumière, Chaos, c'est incroyable dans le format. Seigneur Lumière ? Ah, fais voir. Les Seigneurs Lumière ! Putain, ça, c'est vieux aussi, les gars. Les gens qui ont connu les Seigneurs Lumière ? Et ça, c'est... Pas tout jeune, ça. Hein. Seigneur Lumière, Ouais, mais y a pas le dragon du jugement en fait. C'est un peu le problème. C'est que Seigneur de Lumière, c'est tout est fait pour invoquer le dragon du jugement quoi. Donc c'est un peu dommage quoi. Ah, Cosmo. Ah, deck Cosmo, c'est le deck qui est basé sur Star Wars et le Magicien d'Oz ça. Fais voir. Oh putain, ils ont tout. Ah non, ils ont pas le Destroyer. Y a pas le gros Destroyer de Cosmo. T'as pas le deck à Yugi s'il y a dans le jeu. J'ai joué le rule, LS Ruler. Mais avec des normales et des rares. Puis en vrai, je pense que c'est compliqué quand même, mine de rien. Ça reste compliqué. Et ouais, je pense que le deck héros, faudra que je le peaufine un peu. Il y a des trucs à faire. Il y a quoi en carte qui pète les magies pièges, en vrai? Je crois que Typhoon existe, hein, mais... Ah oui, Typhoon, voilà. Tu cibles une magie... Ah, mais c'est face recto. Waouh, c'est moche. C'est Tornade de Poussière. Tornade de Poussière. Ah, mais Tornade de Poussière, c'est de la merde, hein. Ah, Tornade de Poussière, c'est nul, hein. En vrai, la seule intéressante, c'est le double cosmique, là. Le double typhon, le... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une carte, en fait, qui dit que tu peux détruire un de chaque côté, en fait. Les métalphoses. Ah, fais voir, les métalphoses, ça peut être fort, ouais. Comment c'est écrit en français? C'est quoi en français, métalphoses? C'est métalphoses? Avec un accent, j'imagine. Non, je sais pas. Ah ouais. Les métalphoses. Ah mais en fait il est déjà cette heure là Ah oui j'avoue qu'il est bientôt 19h ouais. J'avais pas vu. C'est vrai que les métalphoses ils ont quasiment tout ouais. À voir ce que ça peut donner. Les métalphoses. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'archétypes auxquels on n'a pas pensé qui. Ah oui non mais c'est sûr. Et c'est ça qui va être intéressant dans ce mode de jeu d'ailleurs. Ouais, c'est clair. C'est ça qui va être intéressant. Ouais, je suis bien content du deck héros, je vais essayer de le peaufiner le deck héros. En vrai, franchement, il était cool, hein. Que je l'ai fait en 10 minutes, mais il y a plein de trucs à modifier. Hein. Franchement, il était cool, hein. J'aimais bien, ouais. Ah oui, la magie rapide qui coûte 500, ouais. En fait, c'est ça, c'est que les PTMP dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup dans les normales et rares. Hein.
Putain, mais Witch Red, je connaissais pas du tout, quoi. Ouais, Witch Red, c'est 2700 de patates, c'est pas mal. Ouais. Franchement, ma question dans mon deck, c'est est-ce que je laisse les Keiju, tu vois. Bah, y a un monde où j'ajoute dans Yubel, moi. Ah, y a un monde où j'ajoute dans Yubel pour gérer les... pour avoir un truc en plus pour gérer les magies pièges, quoi. Mais en plus, moi, je pense vraiment que le format va être assez lent, hein. Franchement, ah oui, non, mais la carte de du format, ouais. Fragment de cupidité. je te jure que c'est à considérer, selon moi. Bah, dans des decks qui ont pas de moteur de pioche, ouais. Ça, c'est clair. Dans les decks contrôle, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, il y a un monde où, en fait, je remplace mes Typhons par des Witch Raid, en fait. Après, le problème, c'est qu'elle s'attaque que avec les... en sacrifiant des pièges. Mais en soi, c'est pas très grave, parce que un piège plus un monstre, et let's go, en fait. Ouais. J'avoue. Mais c'est surtout, vas-y, tu peux juste sacrifier des monstres, hein. Vas-y, je vais, ouais, je vais enlever, ça mais... Ça fait plumeau, hein. Contre les decks backrow comme ça. Bon, après, contre les decks backrow, est-ce qu'il va te laisser tes monstres? Ça peut surprendre déjà. Vas-y, je vais la mettre, la Witch Raid, elle a l'air incroyable. Je pense que c'est tellement mieux que Typhon d'Espace Mystique, en vrai. Ah, c'est tellement mieux que Typhon d'Espace Mystique, en vrai, je pense. Ça dépend, hein. Ça dépend. Bon, en tout cas, c'est bien sympa, hein, cette vidéo Volt. Bon, on verra, ouais. Bah, pas de soucis, ouais, bah écoute, j'ai hâte de voir ce que va être la vraie banlist, le vrai format du jeu, en tout cas. Parce que bon, là, on joue un peu en mode, ça se trouve, il y a des cartes qu'on a jouées et qui sont interdites. Moi, bon, je pense pas, mais... C'est oui, bah après, on peut pas... Enfin, ça dépend aussi... comment dire. Ouais, mais après, je pense que mon deck héros, ils vont pas le toucher. C'était de s'amuser et d'explorer des possibilités que les gens vont pouvoir utiliser, s'inspirer pour pouvoir... faire ce mode, donc même si on a utilisé des cartes qui vont être bannies, c'est pas grave, s'en fiche. Ah oui, non, tout à fait. Bah, je pense que mon deck héros est safe. Ton deck, ouais, ton deck est safe. Moi, c'est plus le deck Toon Burn. Je sais que monde des Toon, ça peut être considéré comme une carte de self TK. Donc, est-ce qu'ils vont le laisser, tu vois Ah, ouais, le monde des Toon, il y a un monde où il est pas là. Hein. Ça fait chier. Ça me faisait trop rire de jouer une version downgrade de mon deck Nibiru Burn là. Ah ouais, non, mais il y a un monde où il est pas là. Imagine Yubel est interdit. Bah, je pense pas. Ah non, mais ça marche pour toutes les cartes sinon. Hein. Yubel, je pense que Yubel est vraiment fort, mais je pense pas que ce soit au point d'être interdit. Vraiment, je pense pas. Ouais, on cherche toujours des cartes de pioche, des moteurs de pioche et des pets MP. Moi, vraiment, mon deck piège. Là que j'ai joué en dernier, avec Fragment de Cupidité, Peau de la Sorcellerie, où tu t'envoies une piège continue que t'as face recto, tu pioches 2, plus Witch Raid. Franchement, je te jure, je le trouve au point, quoi. C'est pas mal. En fait, c'est dès l'instant où un deck peut gérer des backrows, gérer des monstres, et avoir de la ressource, bah tu peux juste te dire que ton deck est fort, parce qu'il va juste générer de la ressource, le mec tu vas lui gérer ses ressources, et en général avoir un deck qui fait du plus dans ce format, ça va être dur. Donc ouais, c'est pas mal. Le seul truc qui est chiant, c'est que du coup tu vas au grind game et les games sont longues, et du coup pour récupérer masse médaille, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ah ouais. Ah, je sais pas, ouais. Ça dépend pourquoi tu joues. Est-ce que tu joues pour farmer l'event? Est-ce que tu joues pour gagner? Après, ils vont faciliter l'obtention des points. Je crois qu'ils vont faire comme la dernière fois. Hein. Très bien, ouais. Mais c'est vrai que Witch Raid, à mon avis, très très forte dans le format. Ouais. Parce que vous allez en voir des magies pièges, hein. Putain. Ouais, comme on le disait, c'est vraiment... Moi, j'ai fait la liste des meilleures cartes du format. En tout cas, qu'on a trouvé avec le chat, il y avait beaucoup de pièges, quoi. Ah ouais, mais la plupart des pièges sont trop forts. Bah déjà, Dispositif, Dilomiscus et Hommage, c'est les trois meilleurs pièges que tu pourras jouer quasiment. En générique. C'est vraiment les trois meilleurs pièges que tu pourras jouer. Mais ah, ouais, bah c'était sympa. Il y a un de mes viewers qui a proposé Catastrophe Infernale. Lorsque votre adversaire déclare une attaque, détruisez toutes ses magies ou pièges sur le terrain. C'est une rare. C'est une piège. C'est intéressant aussi. Franchement... Ouais, mais c'est toutes les cartes, non? Donc ça détruit tes propres cartes. Toutes les cartes magie piège sur le terrain. Ah oui, c'est tout. Donc c'est pas si fort. C'est moyen quand même. Ouais. C'est moyen. Mais il y a de l'idée, ouais. Ok, bon Volt, je suis désolé, je vais devoir te laisser. Oh, y a pas de soucis. Merci à toi pour ce petit BO. Allez checker la chaîne de Volt sur Twitch et sur YouTube qui vous parle de Yu-Gi-Oh! Mais pas que. J'ai présenté le deck Yubel sur la chaîne YouTube en plus. Et si ben voilà. Veux le voir.
Et ben voilà, comme ça, les petits curieux pouvaient aller voir les aficionados de Yubel. Surtout, moi, je connaissais pas du tout Yubel. Je savais pas sa mécanique, tu vois. Ouais, mais c'est sympa, ouais, c'est sympa. Mais tu devrais jouer des gros Keiju dans ton deck, non? J'ai pensé, mais ça apporte rien au deck. Parce qu'en fait, les Keiju, tu les as pour te débarrasser des menaces, tu vois. Ouais, je comprends. Alors que Yubel, en fait, tous les tours, il va flinguer tout le board. Alors, ce qui est intéressant, c'est Kaiju plus l'ultime Yubel. Et dans ce cas-là, ouais, le mec, il va perdre les points d'attaque du Kaiju. Mais je voulais privilégier la consistance et l'accès à Yubel dès le tour 1, en fait. Surtout. Ouais, ouais, ça se comprend. Avec les tomates mystiques et Sengan. Ça se comprend. Pour ça. Bon, des bisous, mon pote, à bientôt. Bah, pas de soucis, vas-y, on se recapte, pas de problème. Vas-y, et oublie pas, quand tu détruis ton terrain, ça détruit tout. Ah, j'entends plus, je passe sous un tunnel. Salut, bisous. Vas-y, ciao. Salut. Bon, moi je vais faire une petite présentation de mes decks rapidement pour ceux qui rejoignent le live. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Le deck Benkei, je l'avais déjà fait, je pense. Mon méga deck NR, celui-là était très sympathique. Il est basé autour des monstres génériques qui s'invoquent spécialement, les plus puissants que j'ai trouvés dans le format rare commune. On a Cyber Dragon, que je joue avec le Cyber Eltana, qui peut s'invoquer quand on a un Cyber Dragon sur le terrain ou dans le cimetière. Et surtout, quand lui il arrive, si cette carte est invoquée spécialement, envoyer tous les autres monstres face recto sur le terrain au cimetière. Il est intéressant parce que c'est un niveau 10. Je joue Tragoedia niveau 10. Je joue Jizukiru niveau 10. Je joue le Slim Metallic qui est un monstre niveau 10 pour faire, selon moi, les X's les plus puissants dans le jeu, qui sont la numéro 84 et la numéro 35. Enfin, quand je dis dans le jeu, c'est dans le format, qui, elle, gagne une attaque, tous les monstres que vous contrôlez gagnent une attaque égale à la différence entre vos LP et ceux de votre adversaire. Donc vous pouvez avoir des gros gros monstres qui font mal, et en plus à chaque fois que votre adversaire va spé, vous pouvez infliger 600 points de dommage à votre adversaire, et une fois par tour vous pouvez détacher un pour détruire tous les monstres qui ont une attaque inférieure à celle-ci. Ce qui voilà, triple effet, super bien. Celle-ci elle fonctionne aussi avec pour burn, à chaque fois qu'il active une carte magie ou piège, elle peut détruire des monstres qui ont une défense plus faible, et elle peut s'invoquer directement sur elle, donc ça c'est plutôt pas mal. On a des gros monstres niveau 10 pour jouer les X's niveau 10, mais on a des X's niveau 8 pour les gros monstres niveau 8, donc notamment le Mech Knight qui s'invoque spécialement, le Danger qui s'invoque spécialement, et le Dragon Empereur qui s'invoque spécialement. Elle s'invoque sur deux niveau 8, et elle invoque elle fait un peu comme le dernier des Yubel, c'est-à-dire vous prenez pas de dégâts quand vous attaquez avec cette carte. Par contre, vous infligez des dommages équivalents à l'attaque du monstre que vous avez attaqué. C'est ça, hein. Si cette carte est détruite tant qu'elle a du matériel X6, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Non, c'est même pas ça. Cette carte ne peut pas être détruite au combat. Et aussi, votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir. Oui, c'est... c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Ensuite, on joue d'autres Mech Knight qui peuvent se spé. Bon, qui sont niveau 7, qui sont un peu niveau 6 et 7 qui sont un peu moins intéressants. On joue le train niveau 10 qui peut se spé également. Gay, qui est très fort. Je vous laisse lire la carte et la découvrir. Elle est super, super forte quand vous arrivez à l'invoquer. On va jouer Fragment de Cupidité en moteur de pioche. On va jouer Graal Interdit qui fait un peu comme Infini Éphémère. Une petite carte Mech Knight. Hommage Torrentiel. Dispositif Vent Perdu qui sont des options. Hein, vous pouvez les remplacer l'une et l'autre parce que vous préférez. Excusez-moi, qui font partie selon moi des cartes pièges les plus fortes du format. Slim métallique, chaîne démoniaque, je pense que je vais l'enlever, je vais mettre un vent perdu qui est beaucoup mieux. Et on joue deux statues motifs d'angoisse car on joue les slim et que c'est tout simplement très très fort. Franchement je vais faire ça.
et Megamorph. Pourquoi je joue Megamorph? C'était pour le troll. Pour le troll, pardon. C'était pour le troll. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Le seul inconvénient du deck, c'est que c'est un deck going second et je joue pas mal de pièges quand même. Je joue pas mal de pièges, mais... mais voilà, on joue à Techno Chimère parce que on joue le Cyberdragon et on joue Jizukiru. On joue Cyberdragon Nova au cas où on arrive à avoir deux Cyberdragons sur le board. Ça peut être pas mal. J'en joue deux, c'est un peu vénère quand même. C'est un peu énervé. Ça pour les X6 niveau 7 qui est intéressant. X6 niveau 8. X6 niveau 8, X6 niveau 8, X6 niveau 10. Et des petites liens génériques. Ça, c'est une très bonne lien pour taper à 3000. Et ça, c'est une très bonne lien pour burn. Voilà. Le petit deck NR. Ensuite. Celui-ci, je pense que c'est mon meilleur deck NR. Pour le festival, tout simplement parce que les cartes les plus fortes de ce format, je pense que ce sont des cartes pièges et c'est très fort. C'est très fort. On a à la fois pas mal de pioches, pas mal de contrôle, notamment avec ça, dès qu'on va invoquer une piège sur le terrain en tant que monstre, on va pouvoir détruire un, c'est pas une seule fois par tour, donc ça c'est super fort. À savoir que elle se spé en monstre et elle revient à chaque fois face cachée. Donc ça, c'est super fort. Ça et ça, c'est une interrupte par tour. On a de la pioche avec fragment de cupidité, peau de sorcellerie aussi. Et on a de la destruction de magie ou piège avec Witch Red. Donc vu qu'on part sur du principe que les gens vont jouer beaucoup de cartes magie ou piège parce qu'elles sont assez fortes dans le format, Witch Red qui va trouver toute son importance dans un deck en plus piège, donc c'est vraiment parfait. Ma seule hésitation sur ce deck, c'est est-ce que je joue des Kaiju. Est-ce que je joue des Kaiju, je sais pas. Franchement, à vous de voir. Ensuite, l'extra, c'est vraiment du bonus. Il y a rien de très très fort, mais c'est vraiment tout en bonus. Voilà, moi je pense que c'est le meilleur des decks NR que j'ai fait. À tester. On peut peut-être mettre plus de Ray qui sont un monstre à 1900 quand même qui va pouvoir taper peut-être, je pense, en faisant ça. C'est peut-être mieux. À vous de voir, vraiment, à vous de voir. À voir. Et le dernier deck. Mon préféré en termes de kiff. Mon préféré en termes de kiff, c'est la version NR du deck Nibiru Toon Burn. C'est fait pour rigoler. On verra si elle va être utilisée durant le format. Ma seule interrogation, c'est est-ce qu'ils vont pas bannir Monde des Toons étant donné que c'est une magie qui fait perdre 1000 et dans les decks self-TK ça peut être utilisé. On verra. Il y a peut-être encore moyen de l'optimiser. Clairement, on joue ça. Parce que ça. Si vous tapez un Keiju à 3300, vous infligez 3300 à votre adversaire. Donc c'est tout le but du deck. Après, classique. Hein. Main comique, rembobinage, ombre toon. Voilà, on le joue avec Monde des Toons. On essaie de tempo avec le pendulier. Et ça fait le taf. Ça, si votre adversaire tape ce monstre, il se prend un cylindre. Ça permet de tempo et piocher. Ça permet de faire cylindre. Voilà, c'est plutôt efficace. Bref. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer tranquillement pour mon entraînement de water polo. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et surtout,
J'ai eu beaucoup de subs aujourd'hui. Merci à vous. Ça me touche, ça me fait plaisir. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Alors demain, il n'y aura pas de live parce que je pars pour le stream. Prime spécial demain soir sur le stream. Je liverai sans doute samedi après-midi. Et surtout, dimanche, je rappelle, hein, dimanche, on va jouer chez moi à Yu-Gi-Oh! Version Speed Duel GX, la Duel Academy Box avec les copains. On va se faire ça. Soyez là, soyez présents. Bref, vous savez tout. Et je vous dis à très bientôt. Je fais de gros bisous et à demain sur le stream. Au revoir.